Ça te permet. Ok, je vais pas vous expliquer comment le travail spirituel fonctionne. Supposons que tu commences à m'écouter, tu as 29 ans. Tu as 30 ans. On a le kit mariage. Pour ceux qui veulent se marier, on a le kit mariage. Supposons que tu as commencé à faire tu as 30 ans, tu m'écoutes, tu tombes sur mes vidéos. Tu trouves que ce que j'ai dit est intéressant. Ok. Tu décides de faire un lavage. Tu finis le lavage là, tu pars. Tu fais 6 mois, tu ne passes plus jamais. Les un lavage que tu as fait là, c'est comme si quelqu'un était dans la boue. C'est comme si tu as attrapé un fou en route. Tu vois comme le fou est sale là. Comme le fou est sale. Tu prends le fou, tu lui donnes une douche. Et même la douche, comme ça, tu prends le savon, voilà, ou bien tu le mets devant l'eau comme ça, tu verses l'eau seulement sur lui, tu ne le frottes pas, tu ne mets pas le savon, tu ne le brosses pas, rien. Tu vas te fatiguer. Donc voyez-vous un peu comme un fou qui est couvert de boue. Dans la saleté, il y a d'entrer dans ta peau, dans les pores de ton corps. Pour le fou, tu le prends, il faut que tu coupes les cheveux. Tu rases les aisselles. Peut-être tu auras sa partie intime. Tu as beaucoup d'étapes pour que le fou soit propre. Et si tu nettoies le fou, après ça, tu le laisses encore. Qu'est-ce qui va se passer? Le fou va encore se salir. Donc, beaucoup d'entre vous, je suis comme l'avocat du lavage au sel. Tu es tombé sur ma vidéo, je te parle, oh, lave-toi au sel. Tu dis, ok. Il y a les gens dans le direct. Si tu as vu, tu es sur le direct. Il y en a, ils voulaient supprimer. Je passe chaque montant à dire, lavez vos selles, lavez vos selles, lavez vos selles. OK. Le sel là, c'est comme si tu prenais l'eau, tu versais sur toi. Maintenant, il faut la brosse. Il faut le savon. Il faut l'eau. Et il y a même des fous que quand tu laves, tu n'as pas lavé seulement une fois. Tu as la tête à laver, tu as le corps à laver, tu as le dos à laver, tu as les bras, tu as la bouche que tu dois laver, ils ont brossé ses dents. Donc quand vous commencez le travail spirituel, vous faites un truc. Après, vous vous fatiguez là. Je ris seulement. Pardon. Je ris seulement. Bonjour Dem Dem, je vois que tu m'as suivi. Mira, l'oiseau qui chie sur toi, c'est un bon signe. Le travail, quand les gens partent vous bloquer, écoutez, quand les gens partent vous bloquer, premièrement, je sais que vous n'allez peut-être pas me croire, il y a des gens qui visitent les marabouts pour vous chaque jour. Il y a plusieurs façons d'ensorceler quelqu'un. Quelqu'un peut tellement te détester ou être jaloux de toi. Qu'il se lève, il te regarde, il prononce seulement les paroles contre toi. Combien de fois tu as fait mal au cœur de certains hommes? Il est question, cela, son cœur a dit que je maudis la fille là, que ce qu'elle fasse ne marche pas. Voilà les sorts sur toi. Ça montre les paroles que tes parents eux-mêmes ont déposées sur toi. Ah, la phase, elle ne va pas réussir, regardez là. Elle va finir prostituée. Voilà. C'est à chaque fois que tu veux payer ton kit, il y a un incident qui t'empêche. Premièrement, tu dois te déterminer. Tu dois être déterminé que ce n'est pas parce que je n'ai pas pu 3, 4, 5 fois. Il y a les dragueurs qui te draguent souvent. Ils te draguent pendant 5 ans. Un jour, tu acceptes parce qu'il n'a pas abandonné. Donc, il ne va pas te dire que je suis bloqué. Oh, j'ai voulu acheter le bleu. Il y a même des gens qui... J'emploie la personne. Dans la nuit, on vient dire à la personne qu'arrête de travailler pour la femme là. Joe progresse. Si tu as rêvé que on tirait sur toi, attaque spirituelle immédiate. Ne blague même pas. Ne blague pas. Vous dormez beaucoup. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Facebook, donnez-moi les likes et vous partagez. Merci.
Donc, il y a plusieurs façons de t'ensorceler. Il y a les malédictions que tes parents n'avaient pas enlevées sur toi, ni sur eux. Il y a ce que même la grand-mère de la grand-mère de ta grand-mère avait. Donc, quand tu vois un être humain qui marche, il est plein des blocages qui sont même sur 10 générations. 10. Il voit, si tu as revu qu'un homme te touchait, t'embrassait. Bon, je ne vais pas interpréter vos rêves maintenant. Ça va empêcher que mon enseignement est plus important que l'interprétation de votre rêve. Vous avez suivi? Je sais que surtout TikTok, vous aimez beaucoup les interprétations. Bonjour la reine Béatrice Loujob. Tu es battu femme. Comment est-ce que ça va? Merci d'avoir partagé mes vidéos. Donc, je vais me concentrer sur ce que je disais. Maintenant, si vous avez un commentaire pour correspondre avec ce que je pour corroborer mes dits, vous le faites. Mais pour les rêves, je ne vais pas le faire maintenant. Donc, je disais ceci. Quand tu vois quelqu'un marche dans la rue, il a les malédictions et les bénédictions du grand-père, de la grand-mère, de la grand-mère, de sa grand-mère. Donc, vous voyez que c'est beaucoup de générations. C'est pour ça que vous allez souvent voir sur 4 générations. Parfois, il y en a parmi vous, vous ressemblez beaucoup physiquement à votre arrière-grand-mère. Beaucoup. Tu ne sais pas comment, mais ce n'est que la grand-mère de ta mère, mais tu lui ressembles. Si tu peux voir ça physiquement, combien de choses sont dans les gènes? Il y a aussi les peurs de nos ancêtres qu'on porte en nous. Vous savez que quand une femme naît, elle a déjà les choses dans son corps, non? Elle a déjà les ovaires sont déjà là. Donc, à un mois ou 2 ans d'âge, une fille a déjà les ovaires dans son corps qui vont accoucher. Elle va accoucher à 35 ans. Donc, il y a un message qui est contenu dedans. Le message peut avoir le bien, le message peut avoir le mal. Maintenant, généralement, on manifeste. On commence à manifester. Et quand vous tombez sur mes vidéos, généralement, vous ne saviez pas. Tu étais seulement là comme ça, là. Ah, ça a marché. C'est pour ça que certains d'entre vous, tu essaies de te marier. Tu te maries 50 fois. Ça se gâte 50 fois. Parfois, c'est même toi-même qui gâte ton mari. Tu te lèves toi-même. Merci pour la rose blanche. Merci beaucoup, Blanche. Voilà les gens qui sont en train de me regarder depuis. Même une rose. Merci beaucoup pour ta rose. Je te bénis, ma chérie. Je te bénis. Il y a une qui m'a dit une fois, sa mère avait raté un jour, un homme était venu voulait l'épouser, qu'elle part en bain. On a gâté comme ça, en bien. Quand sa mère reste au Cameroun, avec un goût amer dans son danse. Et parfois même vos mamans ont failli se marier avec des hommes très riches. Hein? Quand ta mère était jeune, elle a tiré que les hommes riches, 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 riches. Regardez les photos de vos mères quand elles avaient les pantalons éléphants, la patte éléphant. Ça a échoué. Elle s'est retrouvée ton père. Dans le petit taudis là, c'est pour ça que tu es élevé. Tu as la semence de cette richesse-là en toi. Te voilà. Merci la rose, merci. Joe de progrès, tu as envoyé la rose. Je te bénis. Elle est grandie à 18-19 ans. Un homme vient de Mbeng pour l'épouser. Merci Elodie. Je te bénis Elodie. Dylan, je te bénis. Quand vous m'avez donné cette rose-là, peu importe la somme que ça coûte, je déclare que cet argent que vous avez déposé, même si c'est 1 centime, que ça retourne sur vous aujourd'hui. J'envoie mes anges sur vous pour vous bénir. Donc je vais donner les numéros pour nous contacter. 00237-693-50-2266. Restez dans la vidéo parce que j'ai des détails très importants à vous donner. 00237-693-50-2266. Voilà, Nathalie dit, il y a même les dettes des ancêtres. Ça, c'est très important. Yannick Stopera, je te bénis. Comme tu es en train d'augmenter chez moi,
Je déclare l'abondance de ton côté. Je déclare l'abondance au nom de Jésus. Que tes yeux soient ouverts, Yannick. Donc, si tu es dans un pays, tu es quelqu'un qui tient des belles choses. Je vois combien il y a une saison de fleurs qui est en train de venir chez toi, de récolte. Tu as beaucoup investi dans des business, ça n'a pas donné. Ça, tu as voulu donner après ça, on t'a escroqué, des trucs comme ça. Elodie Christelle, je te bénis, je te bénis. Celui qui a envoyé les roses dont j'ai parlé là, je ne sais pas, j'ai oublié ton nom, il faut que tu me contactes. Je vois beaucoup d'abondance, je suis quelqu'un de très riche, mais aussi très attaqué. Oh, on m'envoie les lunettes. Les lunettes, c'est quoi? Merci pour les lunettes. Qui m'envoie les lunettes? Maria, merci pour la rose. Je suis dans un travail, on me dit que c'est après 6 mois qu'on fait mes papiers. Pour celui-là, conseil TikTok, tu dois te laver. Il y a des lavages pour débloquer les papiers. Si vous en avez besoin, faites-moi signe, je vous en prie. Maria, 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 est-ce que tu as des douleurs dans ton corps? Je sens peut-être le dos ou les genoux. Est-ce que tu es mariée, Maria? Yannick Dola, il n'y a pas de problème. Allah peut nous aider. Mais quand quelqu'un a faim dans la rue, on prend le pain. Ce n'est pas Allah qui va déposer le pain pour lui. Quelqu'un va passer pour donner le pain dans sa main. Tu as compris? Donc les gens qui viennent te dire que Jésus t'aime, Allah va t'aider, tout ça là. Ils ne passent pas les gens. Vous avez suivi? Moi, j'aime le concret. Ne viens pas me dire que Jésus m'aime. Ne viens pas me dire qu'Allah m'aime. Prince Tito. Prince Tito, c'est ta photo que je vois là-bas. Si c'est toi qui le vois sur la photo, tu as des voiles sur le visage. Il y a des voiles qu'on met, genre, tu fais n'importe comment. Tu peux m'avoir l'argent, mais tu ne brilles pas, tu n'es pas frais. Je dirais un voile de leader. Je m'excuse, mais c'est ce que je vois. Si c'est ta photo qui est sur ton profil. Bon. Naomi, merci beaucoup. Ropu, bonjour. Comment tu vas, Ropu? Donc, vous avez les dettes parfois. Parfois, quand les deux parents sont mis ensemble, ils vous ont accouché. Après, ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés, ils avaient des problèmes. Ce problème-là, ça reste, ça te bloque dans l'air. Tu ne connais pas. Bonjour, merci beaucoup, ma chérie. Merci pour la salutation. Et tu dis merci pour ce que je fais. Tu as les douleurs, on consulte, on ne voit pas. Et tu dois boire le thé de désenvoûtement. On vend le thé de désenvoûtement. Je ne sais pas dans quelle ville tu es. Celle qui dit qu'elle a beaucoup de problèmes dans le ventre. On fait les trucs, on ne voit pas. Maria, bonjour. Il y a le kit voyage. La personne qui est son voyage est bloquée là. Voilà, si c'est toi. Voilà. Prince Tito. Tu dois faire... tu es censé avoir beaucoup d'argent. Je vois beaucoup de prospérité chez toi, mais c'est comme si on a mis un plafond que tu ne peux pas dépasser. Prince Tito. Il y a les gens qui sont attirants. Donc dans le business, quand tu veux faire affaire avec quelqu'un, dès que tu arrives, il te voit, il veut. Chez toi, je vois qu'on a fait un bon à bloquer. Ce qui fait que tu as beaucoup d'opportunités, mais les gens ne concrétisent pas. Yannick qui m'envoie des gilets. Tu es dans quel pays? Lidvine, Vanessa. Bonjour et merci. Merci pour tes cœurs. Le thé de désenvoûtement, il y a pour 10 000, il y a pour 12 000, il y a pour 15 000. Donc, quand tu as ces problèmes, ces choses qui viennent de j'appellerais ça ces blocages qui viennent de tes ancêtres et que tu commences à te réveiller. Écoutez, premièrement, lavez vos selles tous les jours. Ok, Yannick, c'est bien ce que je me disais quand je voyais ton aura, États-Unis. Yannick, tu as une sorte de... C'est comme si tu es dans une période de... Je vois pour toi comme l'aurore. Maintenant, tu as beaucoup de fleurs qui sont là, qui vont tomber, mais c'est bloqué. Et tu es quelqu'un que je te vois, tu aimes les grandes choses. Tu aimes les grandes choses. Bon, les consultations chez moi sont payantes. Vous pouvez aussi prendre des consultations un peu en privé. Donc, si vous voulez savoir plus, voilà. Pour Yaoundé, le contact de Yaoundé, c'est le 655-31-0750. Mélanie Dejim, tu lui as fait une offrande. Tu lui as versé une boisson sur le sol. Mélanie Dejim qui cherche le travail. Conseil TikTok. D'abord, ton nom ne m'aide pas. Et sur l'écran, je ne vois rien comme ta photo. Consultation à distance, Europe 100 euros, États-Unis 110 euros. Et là, vous êtes sûr que c'est moi qui vais vous parler, je vais vous consulter dans les 24 heures. Maintenant, il y a la file d'attente aussi. Là, c'est 56 $ et c'est 50 euros. Là, vous attendez. Vous allez attendre entre 3-4 jours. On va dire entre 4 jours à parfois 2 semaines ou 20 jours.
Donc, commencez avec le bain de sel, je vous en prie. Donc, Yannick, je crois que quand tu es arrivé, tu as eu beaucoup d'opportunités. Et je crois que les États-Unis où tu es, c'est vraiment ta terre promise. Mais quand tu es arrivé là-bas, quand vous arrivez dans un pays, faites très attention. Parce que les personnes que vous touchez, ou les premières personnes qui sont en contact avec vous quand vous venez d'arriver, ces personnes peuvent vous bloquer. Et quand tu restes, tu pars au milieu des Blancs. C'est pour ça que tous les Africains là-bas sont à Maryland. Je ne sais pas pourquoi c'est que vous faites au Maryland. Partez dans d'autres États. Donc, je pense qu'il y a c'est un peu comme si tu as de la pluie qui attend de tomber, mais c'est bloqué. Nina, si tu veux trouver du travail, commence à te laver avec le sel, je t'en prie. Lavage au sel. Tu te laves avec le sel. Et faites aussi le lavage au pipi. J'ai un monsieur en Suisse. Il était tellement désespéré, divorce, en pleine procédure de divorce. Ces choses ne donnaient pas. Pas de boulot, pas de maison. Sa femme venait, elle avait quitté, bien sûr. Il regarde mes vidéos une nuit de 20h à 4h. Et le matin à 4h, il décide de prendre son pipi et de se laver avec lui-même. Il m'appelle à 10h, il dit que je me suis lavé le pipi à 4h. À 8h30, 9h, j'ai eu deux interviews, alors que ça fait 6 mois que je cherche le boulot. Ça fait 6 mois. C'est là qu'il m'a appelé lui-même, il a dit que vraiment, je ne sais pas comment ton truc est, mais il n'est pas encore vu ça dans ma vie. Il a donc, pour un peu avancer les choses, en l'espace de 6 semaines, il a eu le boulot. Quand il est parti pour l'interview, on l'a pris. 2 semaines plus tard, de ce boulot-là, il a pris une stito. Merci pour les fleurs. Je vais te faire une lecture dans quelques moments. Donc, il est quitté de ça. Il a trouvé le premier boulot. En 2-3 semaines, on l'a débauché du premier boulot. On l'a mis dans un autre boulot. Il est allé là-bas. Première maison qu'il visite, on lui donne. On n'a pas attendu les fiches de salaire. Il arrive au tribunal. D'un moment, quand on faisait le jugement, il devait payer dans les 2000 francs suisses par mois à sa femme. À son ex-femme, il s'est retrouvé en paiement 900. Donc, ça, c'est d'abord la faveur. C'est la faveur. Il m'appelle après 6 semaines, il dit, maman, la seule chose qui n'était pas restaurée chez lui, c'était sa Range Rover. Il dit qu'avant, il avait la Range Rover. Donc, c'est ça qu'il attend maintenant. Mais quand il m'a appelé, il me dit que, maman, je peux maintenant te payer. Parce qu'il lui avait dit, il m'a contacté, n'est pas l'argent, il est à terre. Je lui ai dit il me dit que depuis 6 semaines, il se lave avec le pipi chaque matin, pipi sel. Donc, il n'a rien acheté chez moi. Écoutez-moi bien, comment dit qu'on n'est pas l'argent? Je mets mes consultations élevées parce que j'ai tellement de personnes que je ne peux pas traiter tout le monde. Maintenant, si tu m'écoutes, tu n'as pas encore les sous, ne te dérange pas. Fais ton lavage avec le pipi le matin. Donc, j'explique comment ça se passe. Je donne d'abord le numéro et j'explique comment faire le lavage au pipi. Parce que c'est sûr qu'on sait qu'il y a une nouvelle personne. Donc, le numéro, c'est le 00237 693 50 22 66. Au Gabon, le numéro, c'est 0741 80 080. Donc Youssouf, si c'est Youssouf, je ne sais pas si tu as une photo. Il faut que tu, si tu as une photo, quand je vois votre photo, ça m'arrange mieux. Et le numéro du, le deuxième numéro du Cameroun, 00237 680 71 0701, 680 71 0701. Voilà. Le lavage au pipi se passe comment? Tu te lèves à 4h, maximum 5h30. Ton premier pipi, tu ne fais pas dans le pot. Tu mets dans un petit verre. Donc, tu prends un quart de verre, pas trop. Mais il y a une femme qui m'a donné un témoignage un jour. Elle dit qu'elle a fait sa part. Elle n'a pas dilué le pipi. Ça, c'est le cœur. Elle a le cœur du lion. Mais après ce lavage, ce qu'elle a fait ça, elle a vu comment un voile a été levé sur elle. M'écrivait peut-être à 8h. Elle dit qu'elle a fait ça à 4h. Elle est partie coucher, se coucher encore. Le lavage au pipi est très puissant. Donc, tu prends un quart de verre de pipi, tu mets dans 3 litres d'eau. Tu mets le sel. Tu lis le psaume 35, le psaume 37 et le psaume 91. Et tu dis ce que tu veux. Peut-être tu attends qu'on te donne de l'argent cette journée. Peut-être tu as un contrat que tu dois finaliser. Peut-être tu as, je ne sais pas ce que tu as. Tu dis que voilà, aujourd'hui je reçois ça. Il y a aussi ce qu'on appelle un don. Je vous ai pas, j'ai fait une vidéo sur TikTok l'autre jour, ma dernière vidéo TikTok. Je parlais du don. Le petit piment de Guinée là. Si tu as ça, tu ajoutes dessus, c'est le feu seulement. Pardon, tu prends 7, tu mets dans ta bouche. Tu prends encore, tu peux mâcher les 7 là, non. Tu craches dans ton lavage. Et tu prends encore 7, tu mets dans ta bouche. Tu parles. Tu parles, on s'attire que je ressors aujourd'hui.
Tel contrat que tu dois signer, le piment de Guinée, c'est pour apporter le commandement à ta bouche. C'est pour fortifier ta bouche. Que quand tu parles, tu demandes que quelqu'un te donne. Si tu cherches même les clients, il y en a parmi vous, êtes des vendeurs. Même au boulot, il y a un de mes fils. Attendez, j'ai beaucoup de témoignages pour vous. Je finis d'abord ce qu'il donne comme instruction. Tu finis, tu parles. Tu tournes l'eau dans un sens en parlant que voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Après ça, tu prends l'eau là, tu te laves avec. Ceux qui ont le sel arc-en-ciel chez eux, c'est un des trucs que je vends. Le sel arc-en-ciel. Cette dame-là m'a expliqué, elle a pris une tasse de pipi comme ça. C'était sûrement pas plein. Elle a mis le sel arc-en-ciel dedans, elle veut le donne-moi tout. Elle a parlé. Elle a pris ça, elle a essuyé sur son corps. Elle a essuyé sur son corps. Essuyé en parlant. Essuyé en parlant. Elle a fini ça à 4 heures, elle est partie se coucher. Maman, les rêves qu'elle a fait. Donc, va le lavage au pipi. Généralement, le lavage au pipi, quand vous le faites, quand vous diluez le pipi, ça ne va pas sentir sur vous. Donc, vous pouvez, dans la journée, vous pouvez vous amuser à sortir sans souci. Mais si tu fais le pipi pur, ça c'est pour ceux qui sont désespérés. Tu fais le pipi pur, après, quand tu vas te réveiller, ben, 7 heures avant de sortir, tu te laves encore avec le savon et tu mets le sel dans l'eau, tu te rinces avec l'eau salée. Donc, Youssouf, si c'est ferme, écris quelque chose, Youssouf. Je vais regarder un peu. Camélie Stevia, c'est toi qui es sur la photo. Belle étoile, tu l'as fait dans les médias, Camélie. Tu l'as fait dans les médias. Youssouf, écris un mot comme ça, il voit ta photo. Voilà, on peut dire que le lavage là, est trop fort. Bon, Prince Tito. Tu es quelqu'un que tu as un bon cœur. Tu aimes beaucoup aider les gens. Beaucoup. Et tu aimes aussi, là, tu aimes quand les gens sont à l'aise autour de toi. Tu aimes mettre les gens à l'aise. Et les gens utilisent ça contre toi pour souvent t'escroquer. Te faire du mal. Ils viennent vider, ils veulent te vider. Je veux que tu saches que tu ne vas jamais manquer. Parce que les gens qui sont abondants mentalement d'abord, apprenez seulement à vous protéger. Apprenez à vous protéger. C'est ça qui va vraiment. N'arrêtez pas de donner. Parce que à un moment même, je crois que tu vas peut-être dans ton village, tu vas faire une œuvre dans ton village. Pour la rentrée, si. Prince Tito, va dans ton village, tu fais quelque chose. Ça va beaucoup aider les gens dans ton village. Ça va t'apporter encore plus de bénédictions. Donc Youssouf, c'est Youssouf. Ok, Youssouf. Youssouf, tu es quelqu'un que tu réjouis beaucoup les gens dans tu réjouis le cœur des gens. Tu réjouis beaucoup le cœur des gens. Et je crois que tu as aussi les mêmes percées. Je vois les mêmes percées. Youssouf, il faut que assure-toi que tu fais un don dans un orphelinat, c'est de rentrer ici. Youssouf. Yannick, j'arrive. Youssouf. Et puis il y a. Youssouf, attends, il faut que je me connecte à ton énergie. Du côté de ta mère, est-ce que ta mère est encore vivante? Si tu peux, tu prends une consultation. Youssouf. Je vois aussi comme si tu voulais, tu as voulu lancer peut-être une page ou bien tu as lancé déjà. Et on t'a beaucoup freiné. Je veux aussi préciser qu'il y a dans parmi vous, dans votre famille, on peut voir que vous êtes censé avoir du succès. Et on vous bloque. Parfois, tu es dans ça, l'esprit te dit que l'ange c'est la page de TikTok. L'ange c'est la page de TikTok. Tu fais comme ça là. Tu hésites. Chita. Chita. Est-ce que c'est ta photo là-bas, Chita? Chita, c'est comme si tu as beaucoup souffert de l'opinion des gens et émotionnellement. Je te vois un peu comme si tu as un long trajet et tu as un moment de ta vie où tu veux vraiment te lancer. Tu veux faire ce que ton cœur te dit. Tu es quelqu'un que tu as beaucoup d'idées et les gens de ta famille ont vu ça. Du coup, parfois on vient te checker pour te frustrer. Et tu as vraiment envie de te lancer. Je ne sais pas dans quoi. C'est comme si tu arrives dans un moment où tu es fatigué de l'opinion des gens. S'il y a quelque chose que tu veux faire, il faut te lancer. Fais-le. Merci beaucoup. Pavel. Oh là là, tu as une belle étoile. Tu as voulu faire le football, Pavel. Je crois que tu es seul. Ta famille ne travaille pas sur toi, Pavel. Faut vraiment, commence le lavage au sel. Il y a aussi des kits, on vend des kits. C'est-à-dire, peu importe le pays que vous êtes en Europe, on peut vous poster. Pavel, je te vois comme tu es une très belle étoile, mais on ne t'a pas protégé. Ta mère sur toi n'a rien fait vraiment pour t'aider. Du coup, tu es quelqu'un que tu te bats beaucoup. Je te vois, tu te bats beaucoup. Et pour ton jeune âge, tu as déjà beaucoup fait. Mais, parfois, tu as l'impression que tu es un peu perdu. Je fais comment maintenant? Écoute beaucoup ton intuition. Beaucoup. Rosine. Rosine Dieto, est-ce que tu as un business? Rosine, tu fais tes lavages, j'espère. Hortense. Oh, tu as un très bon cœur, Hortense. Pourquoi les gens te font beaucoup de mal comme ça?
Merci pour les roses. Tu as un très bon cœur, Hortense. Mais j'ai l'impression que tu aides les gens. Tu es comme une mère. Je te vois comme quelqu'un qui a beaucoup d'enfants. Pas forcément physique, mais spirituel. Tu as beaucoup d'enfants. Et tu t'inquiètes beaucoup pour les gens. Et tu es quelqu'un que tu aimes tout conseiller. Tu aimes aider les gens. Tu peux avoir quelqu'un qui souffre. Tu le laisses comme ça. Tu vas tout conseiller. Héloïse, waouh, très jolie. C'est comme tu es comme une sirène, Karma, Héloïse. Tu es une reine de l'eau. Bon, je reviens à Hortense. Je dois finir avec toi. Hortense, je ne sais pas dans quel pays tu es, mais je crois que tu es en Europe. Le Seigneur me dit de te dire que je vois un peu comme si tes nuages financiers sont pleins. Et il faut que tu apprennes maintenant, parce que souvent quand ça te fait comme ça, quand les gens abusent de toi, ça te fait mal. Après, tu parles toi-même contre toi. Il faut que tu apprennes maintenant à... Et c'est parce que quand tu as même voulu ouvrir, tu aimes beaucoup les projets de la femme. Là, il y a la reine galloise, celle qui fait les trucs. C'est quand tu vois ce qu'elle fait, ça te plaît beaucoup. Tu es quelqu'un que tu te vois avec beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants autour de toi. Tu as un très très bon cœur. Quand tu vas faire, je sais pas ce que l'Éternel t'a mis de faire à cœur, mais si fais-le, ça va aider beaucoup les gens. Choumi, Choumi, tu es quelqu'un que tu aimes, un esprit libre. Tu es un esprit libre. Boris, j'arrive. Boris, Boris, si tu peux m'écrire ton nom complet, comme je ne vois pas ta photo, je peux écrire, je peux au moins lire avec ton nom. Floris. Il y en a un voile sur toi, Floris, voile. Pauvreté, on veut pas que tu te lances. Peut-être tu vis même chez tes parents. Eli, Eli Wegan. Quand il y a trop de commentaires, c'est pas évident. Bon, Héloïse, voilà. Je devais revenir à toi, Héloïse. Héloïse, tu aimes. Je te vois, tu te vois dans les poches. Tu aimes trop les trucs. Marilyn Monroe. Tu es une femme que tu aimes le luxe. Et ta famille a toujours été. On a voulu toujours te. Compressé pour ça. On veut toujours te compresser. Ok, Yannick, j'arrive. Et tu sens en toi que tu peux. L'esprit me dit de te dire que tu dois écouter ton intuition. Écoute ton intuition. Je te vois une gamme de vêtements, des produits de beauté. Et tu as aussi une très belle peau, tu es très jolie. Donc quand tu vas lancer ça va beaucoup. Tu as aussi un visage qui attire beaucoup les gens. Tu es quelqu'un que tu es. Je sais pas, tu fais un truc seulement pour ton visage, ça va donner. Voilà. Le monsieur des États-Unis, là, tu t'appelles encore comment là? Bon, Yao aimé plus chéri. Yao aimé plus chéri. Beaucoup de frustration. Tu essaies n'importe comment. Tu as essayé beaucoup de business, ça n'a pas marché. Bon, Yannick, voilà. Yannick, Yannick. Yannick. Yannick, tu dois comprendre que tu es maître de ta destinée. Je te vois. À chaque fois, quand je lis, je me reconnais la haute énergie, ça me redonne encore d'autres informations. Tu dois comprendre que tu es maître de ta destinée. Et je pense aussi qu'il y a les fondations de papa que tu l'as enlevé. Parce que le chemin de papa, tu te vois toujours différemment, tu te vois plus haut. Mais souvent, il y a les, je peux dire entre guillemets, les démons de papa qui reviennent te chercher. Donc, il va falloir que tu fasses les rites du côté de papa. Et il y a le kit fondation. Le kit fondation, c'est, ça te permet de couper les choses qui viennent de tes ancêtres, qui te bloquent. Il y a beaucoup le côté de papa qui te bloque. Sonia, Sonia, Marie Chantal, tu es très ambitieuse, tu as un esprit très fort, Marie Chantal, mais mauvais environnement. Je sais pas, peut-être tu es bloqué dans un mariage où ça ne va pas et tu n'arrives pas à partir, tu as peur de l'opinion des gens. Boris, donne-moi ton nom. Boris, je vais attendre que tu commentes, donne-moi ton nom. Parce que sur la photo de profil, je vois beaucoup de photos. C'est Boris qui. Merci pour les roses que vous envoyez. Boris, Boris, fais vite un peu. Prince, madame. Le kit fondation coûte 55 000 au Cameroun. En Europe, c'est 150 euros. Aux États-Unis, c'est 160 $. Justine Simon. Ouais. Boris, j'essaie d'attendre pour voir ton nom. Tellement de commentaires. Ulrich Bolli. Je te vois avec la veste comme ça. Là, tu es quelqu'un que tu as beaucoup d'ambition. Mais c'est comme si tous tes efforts, on prend, on met dans une boîte, on enferme tes efforts. Fais une offrande à la mer, fais une offrande à la mer. Ouais, Thibaut, Thibaut. Très, 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 Thibaut. Tu vas être très connu sur les réseaux, Thibaut. Thibaut. Je ne sais pas si tu as fait. Il y a le, je te vois dans le vêtement. Je te vois aussi dans les. Comme mannequin, ou bien si tu fais mannequin. Je te vois dans la photo. Je te vois aussi ici en ligne et tu as prospéré. S'il y a une idée de quelque chose que tu veux lancer sur ton TikTok, il faut lancer. La consultation se fait à
Voilà les numéros, je donne les numéros. Je donne les numéros, ok? Vas-y, regarde vos commentaires, je vais me distraire. 00237 680 71 07 01. Deuxième numéro. 00237 655 31 07 50. Je serai à Yaoundé mercredi et jeudi. On va inaugurer le local de Yaoundé. Donc en constance, vous aurez le local, vous pourrez venir à Yaoundé pour vos consultations. Gabon, on est là au Gabon. Bientôt, on sera en Côte d'Ivoire. Douala, nous sommes à Douala. Donc les numéros 00237 655 31 07 50. 655 31 07 50. Boris, j'attends toujours ton nom. Il y a tellement de messages que ça se perd. Deuxième numéro camerounais, 00237 680 71 07 01. Maintenant, le numéro du Gabon, 0741 80 080. Bon. Maria. Tu as un très bon cœur. Tu as un cœur pur. Je te vois aussi, tu as été très meurtri. On a beaucoup abusé de toi. On t'a beaucoup fait mal. Et tu as aussi guéri tes émotions. Fais ton lavage avec du miel et du lait, Maria. Ça va restaurer ta pureté. Yangra Amboise Christian. Oh là là, vos noms passent tellement vite. Oh, TikTok. Camille Stevia, vos filles, j'ai déjà commencé à te parler, je pense. Oui. Bonjour. Entrez, une personne peut entrer, commence à nettoyer. Attends d'abord, s'il te plaît. Commencez par la cuisine, pardon. Après, une d'entre vous vient ici, il y a la douche à faire. Désolé. Chancy, c'est toi sur la photo. Chancy, si c'est toi, tu me dis. Elodie, merci Anjoie. Est-ce que tu es au Canada ou bien Anjoie, tu es dans quel pays? Anjoie, je vois pour toi beaucoup d'ambition, beaucoup. Et tu as commencé, genre, tu as abandonné. Commence encore. Et il y en a parmi vous aussi, je veux préciser que vous êtes venu, vous êtes tombé sur ma page, ce n'est pas par hasard. J'ai une dame qui est en Europe, je vais dire en Europe, seulement pour qu'on ne la localise pas, parce que je connais les méchantes personnes qui sont ici dehors. Donc, la dame, elle est mariée depuis presque 5 ans. Yangana Ambroise Christian. Combattu. Maman n'a pas beaucoup fait le travail pour toi. Je ne sais pas si maman est vente ou pas. Elle va lancer la poule du côté de maman. Donc, je raconte l'histoire de la dame. Elle est mariée depuis presque 5 ans. Le mari, il va être bien en Europe, hein. À un moment, il dit qu'il va aller au Cameroun. Comme ça, bêtement, comme ça, pour rien, il se décide d'aller au Cameroun. Le voilà qui part au Cameroun. Il arrive au Cameroun. La relation commence à dandiner. Ils ont deux enfants. Elle vient de temps en temps essayer de le voir. Un jour, elle arrive. Bon, vous connaissez que quand l'homme est loin de la femme, il y a toujours les maîtresses qui commencent. Voilà que un jour, elle trouve même une maîtresse dans le bureau de l'homme. Le monsieur se fâche. Et voilà, il sort. Elle gifle la maîtresse. Lui, il vient, il sort sa femme du bureau. Il a même failli taper sa femme ce jour-là. Elle me contacte donc parce que pour une énième fois, elle est venue, il était tombé gravement malade. Il n'y a que elle qu'on a appelée pour qu'elle vienne à son chevet. Elle arrive, je commence le travail. Elle au chevet, elle me dit qu'il va mieux. Il commence, il me regarde, il rit un peu, il commence à être doux avec moi. Héloïse, je vais te prendre après. Il commence un peu à être doux avec moi. Elle relâche un peu, elle repart en Europe, non. Dès qu'elle arrive, problème, je travaille encore. Il se lève un bon matin, il dit que je viens, il paie son ticket. Depuis 3 ans qu'elle essaie de le faire revenir. Il perd le ticket, dit que je viens tel jour. Après, elle lâche encore. 2 semaines, 3 semaines, elle ne m'appelle plus, elle ne fait plus le travail. Après, il dit encore que non, il ne vient plus. Je commence encore le travail. Le voilà qui arrive. Elle m'envoie une photo de elle, ils sont avec les enfants dans la voiture. Vraiment, on va bien. Mais s'il est arrivé. 2 semaines plus tard, une de ses maîtresses, quelque part dans un autre pays, commence encore à le chercher. Jusqu'à il découchait même. Ça fait 10 jours. Il y a des offrandes que je. Il y a un travail que je fais à la main. Là. Ça fait 10 jours. Elle me dit que maman, c'est grave. Il découche Jacques, il ne veut même plus d'homme. Quand il rentre, je sens le parfum. La femme prend le parfum, son parfum, elle aime sur lui. Et donc, tu dois avoir un homme à l'hôtel. Le matin, tu fais sur lui. Il dit, ma chérie, ne t'inquiète pas, j'ai encore lancé le travail. Ce matin, elle m'envoie encore le message que maman, depuis des années, on n'a pas une semaine de paix comme on a eu maintenant. Là. Ne blaguez pas avec votre travail spirituel. Je lui ai dit que ma chérie,
Tu dois avoir l'abonnement mensuel. Parce que toi-même, tu as vu que chaque fois que tu as fait ni comme ça, là, jusqu'à tu t'es reposé un peu, tu as vu. Elle dit que l'homme qui paye, donc, même les enfants, pour chercher les enfants à l'école, elle suppliait, refusait. Parce qu'il était avec l'autre femme. On manipule vos gens ici dehors. On les manipule. On les manipule. Ulrich Boli, tu dois m'envoyer de l'argent pour qu'elle fasse ton eau. C'est moi qui dois faire ton offrande à l'eau. Moi, Ulrich, tu as compris, non? Quand la femme m'a dit ce matin que maman, je n'ai jamais eu la paix dans mon mariage comme depuis une semaine, 7 jours. 7 jours de paix. Elle m'a laissé. Ah, yé. Où est la jeune fille là? Tu t'appelles encore comment? Je vais plonger dans ton énergie. Et la fille que j'ai dit que tu es une femme de l'eau là. Tu sens, ce qui va vraiment accentuer ta puissance, ma chérie, tu dois me contacter en inbox. Voilà, Héloïse. Tu dois me contacter en inbox. Prends le numéro parce que sur TikTok, vous ne pouvez pas m'écrire. Le numéro, c'est le 00237 680-711-0701. 00237-680-711-0701. Voilà. Le deuxième numéro, 00237-693-50-22-66. 693-50-22-66. Patronne, est-ce que c'est toi sur la photo? Indira, tu es très jeune, on te simplifie dans ta famille. Indira, tu as compris. On te simplifie beaucoup. Je vois que tu vas t'éloigner de ta famille pour que tes choses marchent. En joie. Adjoa, tu dois vraiment business, tu dois avoir beaucoup d'argent. Donc si tu as fait, si tu n'es pas au Canada, c'est que tu vas peut-être partir là-bas. Tu as beaucoup de business, tu te vois dans beaucoup de choses. Et je crois que c'est pour ça que tu as aussi beaucoup d'idées qui te viennent beaucoup parfois. Et parfois tu as envie de prendre le risque, mais on t'empêche. Oh non, tu sais, parfois on veut un peu diminuer ton énergie. Tu fonctionnes beaucoup avec l'énergie. Écoutez, les choisis fonctionnent avec l'énergie. Lucrèce la créature. Oh là là, tu es très belle. Combattu, jalousé aussi, tu as beaucoup de belles formes, Lucrèce. On va lancer l'offrande de l'eau le vendredi, le 2, je pense. Donc, beaucoup d'entre vous, vous devez le faire. Je vous avais dit que j'allais augmenter mes prix pour l'offrande de l'eau. Donc, pour la dernière fois, je vais le faire à 50 000. À partir du mois prochain, je ferai à 100 000 pour tout le monde. Parce que le travail que ça demande et ce que ça débloque, c'est trop. Et 100 000 là, ça n'en va pas pour longtemps. Donc, cette fille ici-là, tu dois faire cela. Je suis allée l'autre jour faire une offrande à l'eau avec une dame. Elle avait une dette de 18 millions aux impôts. À 10 heures, je suis partie, j'ai parlé pour elle. 18 heures, elle a ouvert tous ses magasins qu'on avait scellés. On a réduit la dette de 18 millions à 2,5 millions. Donc, pour la dernière, pendant les deux, trois jours, ce qui reste dans le mois, je les ferai à 50 000. Ceux qui veulent s'inscrire, vous inscrivez. Celle qui était ici, là, la reine de l'eau, là, avec plein de cheveux comme ça, là. Héloïse, si tu envoies, elle peut te voir. La jeune fille, là. Héloïse, peut-être. Tu dois faire ça aussi pour l'eau. Donc, voilà les numéros. Boris, j'étais cherché de mettre ton nom complet. Parce que je ne vois pas bien. Boris, écris seulement que ton nom, Boris. Je vais voir ton nom qui s'affiche sur le profil. Merci pour les cadeaux. Ma vie, tu as le voile sur ton visage. Ma vie qui m'envoie les fleurs, là. On t'a beaucoup frustré. Je crois que tu as grandi avec ton père qui était très, 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 très strict. Je vois beaucoup de frustration sur toi. Ça t'arrête. Ça t'arrête. Ouais, Boris et Boris. Attendez aussi que Boris commente, je le vois, non? Ouais, Seigneur. Jesus is Lord. Alfred, tu aimes beaucoup les bonnes choses. Tu aimes les cardiaques, les grosses voitures, les hommes. Hein, Alfred? Alors, patronne, est-ce que c'est toi sur la photo? Alfred. Patron, c'est toi sur la photo. Vous empêchez seulement à Boris d'écrire beaucoup ou pourquoi? Lou Job, tu as l'argent dans ton truc. Tu n'as pas fait beaucoup de rites au village. Et ta famille est jalouse de toi, Lou Job. Lou Job, éloigne-toi un peu de la famille. Et le jour que tu as fait, tu n'as pas parlé avec eux. Je ne veux pas le dire. Yannick, j'avais plongé dans ton énergie tout à l'heure. Yannick. Sidolou, c'est toi sur la photo? Bon, Yannick, je reviens à toi. Je vois aussi, tu es quelqu'un qui est en amour, tu es aussi beaucoup bloqué, tu as beaucoup de déceptions. Concentre-toi d'abord sur tes business, Yannick. Concentre-toi d'abord. Je te vois un peu comme les 50, ça avait beaucoup d'entreprises, ça avait beaucoup d'argent, des grosses voitures.
Il y a la dîme aussi. Est-ce que tu payes ta dîme? C'est pas quoi. Il y a aussi il y a la dîme ancestrale, il y a la dîme financière, spirituelle là. Donc, genre, tu donnes là où tu pas à l'église ou bien là où tu reçois. Tu vois les deux dîmes que tu dois faire, Yannick. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, je fais les lectures d'énergie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de noms qui passent. Et j'attends toujours le nom de Boris. Boris, sinon tu m'écris en privé. Tu as compris, Boris? Arnold Emmanuel Ndamengema. On t'a aussi beaucoup bloqué. Parfois, on t'a tellement découragé que tu as arrêté les gros projets. Arnold, là. Une femme que devait voir ici, la Priscilla. Voilà, c'est Sidolou. Voilà, Sidolou, si c'est toi sur la photo, je vais considérer que c'est toi. Sidolou. Il y a un peu de... Libère la chaise ici, là, comme ça, il s'assoit. Sidolou, pourquoi ça m'empêche de rentrer dans ton énergie? Sidolou, tu as... On t'a trop simplifié que tu es trop jeune pour faire les choses que tu as envie de faire. Maintenant, voilà, ils me disent de te dire que, comme je te parle comme ça, que c'est la confirmation de ce que tu attendais. C'est comme si tu as fait beaucoup de prières, tu as beaucoup... Je te vois même quand tu as pleuré, tu étais découragé. Ils me disent de te dire que ça, c'est ça ta réponse, que lance ce que tu voulais faire. Bonjour mon bébé, ça va? Viens me faire bisous. T'as bien dormi? Oh là là. Mouah. Bon, attendez. Linda, bonjour Linda. Ok, Priscilla, je prends la voix Priscilla. Ok, Priscilla, désolé. Priscilla, ta photo est loin. Si elle voit au moins la photo, la personne la met directement. Ou bien tu mets ton nom. Mets-moi ton nom, Priscilla. Mets ton nom. Jesus, ça passe tellement vite. Patronne. Yay! TikTok, arrêtez aussi de commenter trop, non? Où fais-je? Oh! Fifi, bonjour. Fifi Adaya. Ne te décourage pas, Fifi. Fifi, je te vois comme tu voulais commencer un business, tu as abandonné. Fifi, relance-le, s'il te plaît. Relance-le. Merci pour les cœurs que vous m'envoyez. Vous savez quoi? Vous allez me contacter sur le WhatsApp. Vous allez me dire que voilà mon patronne, tu dois me contacter. Yannick, tu dois me contacter. Maria, tu dois me contacter. Ceux qui m'ont envoyé beaucoup, beaucoup de roses là que je n'arrive pas. Boris aussi, je dois me contacter. Je donne le numéro. Ma vie, il y a beaucoup de lavage d'attirance à faire sur toi, ma vie. Ma vie. Et pour enlever des frustrations, je vois des frustrations dans tes bras. Laure, tu es très jolie. Ta lumière, tu as le beau de lumière sur toi, Laure. Lumière bloquée, Laure. Fallon, Fallon, oh là là, beaucoup de colère. Tu es fâché avec qui, Fallon? Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu as compris, Fallon, ça te retient beaucoup. Augustine Manga. Ancestral, ancestral. Il y a des trucs ancestraux sur toi, Augustine Manga. Prends le kit fondation, Augustine Manga. Pierrot, tu n'aimes pas beaucoup dépenser sur ce qui va t'aider. Je ne sais pas pourquoi, Pierrot. Quand on parle de travail spirituel, toi, tu ne crois même pas à ça, tu doutes. Marcel, oh là là, on te néglige, pourquoi? On te parle trop, on te simplifie trop dans ta famille. Tu penses que tu ne peux pas avoir l'argent. Si tu lances ton idée que tu as là, ça va te donner. Adjo, si tu dois me contacter, donnez-moi votre nom sur TikTok et vous me donnez votre vrai nom. Juste les personnes que je viens de dire là. Adjo, surtout. Parce que vous m'avez fait beaucoup de cadeaux. Et quand on me donne, j'aime aussi donner. Ça me fait plaisir. Merci. Adjo, Adjo. Tu as beaucoup. Je te vois avec beaucoup d'idées qui sortent. Je fais que te dire ça. Tu as fait beaucoup de business en même temps. Beaucoup à joie. Ce n'est pas les idées qui manquent. Maintenant, tu dois apprendre à fortifier spirituellement tes business avant que tu ne les lances. Tu dois fortifier. On ne lance pas le business n'importe comment. Très important. Sur Facebook, je suis sur TikTok. Généralement, je prends ceux qui me donnent les cadeaux là. Ils passent un peu en priorité. C'est pour ça que j'ai un peu négligé Facebook, juste un peu. Je m'excuse. Donc, sur TikTok, le nom, c'est Reine Lumière, comme vous connaissez déjà. Adjoa, Adjoa. Oui. Le numéro, c'est le 00237 693 50 22 66. 693 50 22 66. 693 50 22 66. Notez. Le deuxième numéro, 00237 655 31 07 50. 655 31 07 50. Merci. Libère Line. C'est toi sur la photo.
Tu as beaucoup de trucs que tu veux faire dans le. Tu restes chez toi, tu fabriques beaucoup de choses. Tu as beaucoup d'idées, tu as beaucoup de. Je te vois en train de. Dans ta chambre, tu écris beaucoup, tu penses beaucoup, tu as beaucoup de projets qui sortent. Il faut que tu te lances. N'aie pas peur. Je crois aussi que tu vas peut-être. En ligne, tu vas peut-être écrire des livres, je ne sais pas, mais je te vois. Tu as beaucoup de réflexions qui viennent à toi. Et des paroles profondes. Des idées profondes. Je vois quelqu'un qui a mal à l'oreille gauche. Tu es en train d'être guéri. Tu as mal à l'oreille gauche. D'un autre côté, il y en a parmi vous, vous avez beaucoup de sifflements à l'oreille ces derniers temps. Vos anges sont en train d'aiguiser votre oreille. Il y en a, vous allez commencer à écouter vos anges. Vous allez vraiment les écouter. Donc tu vas rester comme ça, tu vas entendre que fait comme ça, pas comme ça. C'est ça très clair. Il y a des gens à qui vous vous confiez avant. On va commencer à vous éloigner de ces personnes-là. On va dire ne pars plus là-bas, ne fais plus ça. Et ceux qui voulaient arrêter, quelqu'un m'a demandé pour l'alcool récemment, comment arrêter l'alcool. Vos anges me disent de vous dire que ils sont en train de vous parler beaucoup ces derniers jours. Donc ça va vous, ils vont vous guider. Ils ont aussi, l'énergie est là. Il y a une énergie qui est déversée dans l'atmosphère pour pouvoir mettre en place. Je vois certaines personnes voulaient lancer trois business en même temps. Ils me disent qu'il y a l'énergie pour ça. Pétrolier, si c'est toi qui es sur la photo là-bas, tu as beaucoup de rêves. Tu n'es pas pauvre. Tu as beaucoup d'argent dans ton énergie. Il va falloir que tu te rapproches des gens que tu sens. Donc, et tu es aussi quelqu'un de très intuitif. Quand quelque chose ne t'arrange pas, tu ne fais pas. Donc, quand tu arrives quelque part, tu peux sentir si quelqu'un est bon ou pas. Pétrolier. Donc, suis beaucoup ton intuition. Je te vois comme si tu es un peu négligé. Tu n'as pas quelqu'un qui te suit spirituellement. Parce que le ton de business que tu as, que tu veux lancer, ça a besoin de stabilisation. Je vois un peu comme s'il faut stabiliser les trucs qui vont tourner. Voilà. Elodie de. Oh là là, maman, pourquoi j'arrive à lire un nom là? C'est grave. Conis. Tu as l'impression qu'on t'a même abandonné. Conis. Tu vas. Je sais pas dans quel pays tu es, mais dans le pays tu es là, c'est comme si la loi là-bas te frustre beaucoup. Tes idées, c'est comme si tu vas aller dans un autre pays. Je sais pas, il faut peut-être que tu partes. Oui. Bonjour, bonjour. Andon, on est là. Très simplifié dans ta famille. Tu te vois comme une petite fille. Tu n'oses même pas entreprendre les choses. Tu n'oses pas. Tu n'oses pas. Il faut que tu te lances, ma chérie. Tu seras comme le Joseph de ta famille, c'est comme je te dis. Pétrolier. Merci pour les roses, pétrolier. Tu dois. Je te vois. Tu as déjà des grosses voitures, je crois. Parce que je te vois dans vraiment du luxe, style américain carrément. Pétrolier. Tu vas aussi. Tu as déjà des personnes que tu peux même faire un truc. Quand tu as une idée pour faire quelque chose, et toi, on te parle généralement le matin, pétrolier. Tu vois, le matin, tu as envie de. Ça soit une énergie. Donc, tu as des amis qui te distraient beaucoup. Il faut que tu arrêtes. Tu canalises ton énergie. Ça va te donner. Tu vas souvent porter même les 20 millions comme ça en une journée. Voilà. Canan. Merci pour les fleurs. Canan. Canan, c'est vraiment ton nom. Elodie Cuissu. Chez Jean. Axel Laure, voilà. Axel Laure, tu as beaucoup de joie. Tu es quelqu'un que tu veux vraiment aider, les gens de ta famille et autour de toi. Maintenant, les gens sont jaloux. Donc, ce qui fait qu'il y a tes œuvres caritatives que tu vas me cacher. Tu vas t'éloigner de ta famille. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie là-bas. Et quand tu vas t'éloigner, tes idées vont aussi venir. Tu vois, tu es un peu comme le prophète qui n'est pas accepté chez lui, en fait. Ouf, Ariane, merci. Pour je sais pas, ce tambour que tu as envoyé, je sais pas trop quoi. Ariane. C'est un peu comme si tu as tellement de trucs que tu as commencé. Tu as une très grande vision. C'est comme si tu rentres chez toi, tu te vois dans un. Je vois comment le tapis rouge au Cannes. Tu doutes aussi beaucoup parce qu'il n'y a personne dans ton entourage qui te soutient. Donc je te vois avec. Tu es en train de recevoir toutes ces idées. C'est comme si tu as des anges qui te visitent carrément. Ils te donnent beaucoup d'idées. Et quand les anges te visitent, ce n'est pas qu'ils vont seulement te dire que Jésus a dit qu'il va prêcher la parole. Les anges peuvent te visiter, ils te montrent peut-être que va créer une ligne de vêtements, va peut-être faire telle chose. Lance ta page TikTok où tu fais rire les gens. Écoutez bien. C'est parfois, c'est ça que je vois que tu as comme frustration. Et du coup, tu as peur de te lancer seul. Donc, il faut que tu passes le pas. OK? Daniel Ebengue. Beaucoup combattu, Daniel. Daniel. C'est quand tu as commencé, les choses n'ont pas donné, tu as abandonné. Là, maintenant, tu es un peu errant. Ton esprit n'est pas engagé. Tu ne veux pas te décider. Tu es quelqu'un que si tu te décides, il faut faire quelque chose, ça va marcher. Shan, je ne sais pas quel est ton nom complet. Mais je vois sur toi beaucoup de frustration. Tu as grandi peut-être pas dans le luxe, mais tu as des rêves de luxe. Tu as beaucoup de vision. Tu veux arriver dans de grands endroits. Je te vois peut-être dans la cosmétique. Tu fabriques très bien les choses avec les mains. Il faut que tu te relances là-dedans. Je te vois en train de fabriquer des produits cosmétiques. Je ne sais pas pourquoi. Shan, donc il faut que tu lances toi, lance ça. Shan. Je vois aussi comme si la frustration de l'enfance parfois remonte, ça te bloque.
traîne le moins possible avec les gens de ton enfance. Parce que ça te bloque, ça te fait rentrer en arrière, Sean. Il y a Adjoa là qui a aussi encore envoyé des cœurs, je sais pas trop. Bon, je prends aussi Facebook. Blandine Flore, Bouchouan Blandine Flore. Les gens de ta famille, je sais pas pourquoi je vois beaucoup famille. Bouchouan, tu dois faire le kit commerce. Parce que tu as beaucoup d'idées de commerce. Tu as commencé chose, ça t'a mis à terre. Bouchouan. Soriane Soso. C'est comme si tu travailles pour quelqu'un actuellement. Commence à fabriquer des choses pendant que tu travailles pour la personne. Après, tu auras confiance dans tes produits, tu vas te lancer à tes souhaits. Vanou, Magne, Steven, bon anniversaire. Il déclare que cette année ne sera jamais la même chose. Mon nom sur TikTok, c'est Reine Lumière. Reine Lumière. Shan. Shan. Il y a aussi Shan, je ne vois pas bien le nom de la suite de ton nom, Shan, là. Shan, je vois sur tes yeux beaucoup de... C'est comme s'il y a beaucoup de... On t'a fait beaucoup de mal et ça t'a aussi frustré. Merci pour les lunettes. Je ne connais pas bien les cadeaux. Non. Merci pour les lunettes. Donc, du coup, Shan, c'est quelque chose qui est en train de te... ça t'a meurtri. Il faut que tu relâches la douleur du passé. Bon, je donne les numéros de téléphone. Il y a des noms spécifiques ici, là, ceux qui m'ont beaucoup envoyé. Il y a Priscilla, tu dois m'écrire pour que je te fasse une petite lecture. Donc, les consultations, c'est 110$ américains, pas canadiens. Ou encore 100€ si c'est avec moi. J'ai aussi d'autres personnes qui consultent. Maintenant, quand tu perds cette consultation, là, c'est dans les 24 heures. Je vais te dire ce que tu dois faire. Merci pour le chapeau. C'est la première fois qu'on me donne un chapeau. Ok. Merci. Roxy, merci. Sidolou, merci. Donc, les numéros 00237 693 50 22 66. 00237 693 50 22 66. Deuxième numéro. 00237 680 71 07 01. Troisième numéro. 00200 Alfred. Tu dois venir pour une consultation. 00237. Je dois te faire un lavage. 00237 655 31 07 50. 655 31 07 50. Le Gabon, 0741-80080. Oui, maman, je vois que c'est là de 228. Tu me dis que tu écris sur TikTok fatigué. Je te vois derrière ton numéro. Je vais te répondre après. Ok, bon, on reprend. Marcel Messina, tu doutes beaucoup de toi et tu as peur de dépenser. Alors que c'est en dépensant que tu vas investir, ça va t'aider. Tu es ce. Je vois beaucoup de jalousie dans ta famille, beaucoup. Je sais pas si ton père encore vivant, mais on t'a beaucoup... on se moque beaucoup de toi dans ta famille. Éloigne-toi un peu. Il y a des projets que tu vas faire sans leur dire. Stay. Je ne vois pas de photos, je ne vois pas de nom. Donc, ce n'est pas évident. Merci beaucoup pour les cadeaux, en tout cas. Sans photo, sans nom, ce n'est pas évident de vous lire. Vraiment. Pardon. Baronon. Oh my God. Canan. Ma vie. Bonjour, Golden. Si c'est toi sur la photo, Golden. Oh là là, tu as beaucoup. Tu vas être très riche. Maintenant, quand c'est dans ton énergie que tu seras riche, ça ne veut pas dire que tu seras forcément riche. Hein. Les prophéties ne s'accomplissent pas seules. Je veux que vous compreniez ça, s'il vous plaît. Les prophéties ne s'accomplissent pas seules. Maintenant, c'est à vous de savoir que je dois faire mon lavage au sel. C'est à vous de savoir que tous les mois, je dois faire mon travail. Tous les mois. Je vous ai raconté les histoires des personnes ici. Bon, il y a les promotions qu'on est en train de faire actuellement. Le lavage des enfants pour la rentrée. La promotion va s'arrêter le 2 septembre. Au lieu de 33 000, on lave les enfants à 15 000 francs. Si vous avez de 1, 2, 3 enfants, 15 000 francs par enfant. N'attendez pas pour me dire que l'enfant n'étudie plus, que l'enfant est têtu. Il y a beaucoup de vos enfants, il y a des énergies négatives qui viennent de leur père. Tu avais l'enfant, il n'est plus avec son père, mais ça le poursuit. Donc faites attention. Moi, il y a le lavage de la rentrée ici. 15 000 francs par enfant. Maintenant, si tu as plus de 4 enfants, donc 4, 5, 6, 7, 8, c'est 10 000 francs par enfant. 10 000 francs. Tu envoies la photo de l'enfant, tu envoies son nom, c'est tout. On fait le lavage. Après, on va te... Petroni Wonga. Tu te vois pas comme tu as te dit là. Voile. Je vois aussi beaucoup de... Tu as des problèmes dans ton... Parfois, tu te vois grand, parfois, tu te vois petit. Donc, tu as vraiment cette bataille à l'intérieur de toi. Tu vas devoir être radical. Tu coupes totalement, tu décides que voilà ce qui je suis. Donc, tu sautes et tu coupes les ponts. Et c'est comme si tu as l'intention de te séparer de quelqu'un qui te bloque beaucoup. Il faut que tu continues. Vas-y, ma chérie. Hugo Fendu.
Si tu n'as pas encore voyagé, tu as envie de voyager sûrement et ça a été bloqué. Mais si tu as déjà voyagé, je vois. C'est comme si la limitation sur tes idées. Tu as envie, mais à un moment, tu te. Je vois un peu la frustration même dans ton. Et il y a même des gens que tu as souvent l'intention. Tu penses souvent à dire que je vais même plus les contacter. Ne les contacte plus. Fendu. On te simplifie aussi dans ta famille. On a les parfums de déblocage, des choses comme ça. Vous devez mettre sur vous. C'est très important. Donc, j'ai donné les promotions. L'offrande à la mer. La dernière opportunité pour vous de la faire à 50 000, c'est maintenant. Donc, on va fermer les enregistrements vendredi. 50 000. On a eu trop de grands témoignages sur les offrandes. Je vais vous parler de la dame dont le mari l'a trompée et tout ça. Là, il ne dormait même plus à la maison. Elle m'écrit ce matin. Ça fait une semaine qu'ils ont la paix. Ceux qui sont sur TikTok, allez me chercher sur Facebook. Le nom sur Facebook, c'est The Gift Digger Academy. THE espace GIFT espace DIGGER. The Gift en anglais. The Gift Digger Academy. Sur Facebook, on met les témoignages généralement. Je vais commencer à faire souvent quelques témoignages. Je capture, je mets sur TikTok. Donc TikTok, vous me trouvez seulement, mais vous ne savez pas. Attendez, il y a un canal là-bas. Ah, on prononce Janan. J'ai demandé ton nom, tu n'as pas. Je cherche le nom. Boris, tu ne vas pas ton nom finalement. Chez Jean. Tu traverses des périodes financières très très mauvaises actuellement. Et tu as besoin de. Il faut faire un kit de déblocage chez Jean. Tu as compris? Bon. Sté, écris-moi ton nom, Sté. Sté. Soit tu m'écris en inbox après. Bon, on a les lavages aussi pour le premier du mois. Pour le premier du mois. C'est-à-dire, vous faites votre lavage pour l'entrée dans le mois de septembre. C'est le 9e mois. Donc, vous devez charger. Apprenez à faire votre travail spirituel, vous le chargez. Ce matin, quand je parlais du témoignage de cette jeune dame, je vous disais en fait qu'à chaque fois qu'elle a abandonné le travail spirituel, son mari retombe. Il repart encore. La femme de dehors, là, le tille. Il oublie même sa famille, il découche. Et quand elle reprend, il revient. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spirituel. Monsieur est manipulé. STE, là, tu n'as pas écrit ton nom. Bon, c'est pas grave. Bon, on voit un peu Facebook. Bonjour Facebook à nouveau. Eugénie Baumé, tu as les dons spirituels, hein, mais tu te négliges beaucoup. Tu as un problème de confiance en toi. Je sais pas, c'est comme c'est là où tu as grandi. Fais le kit fondation, Eugénie. Eugénie, kit fondation. Tiens, je crois que ça doit venir de là où tu as grandi, Eugénie. Sur TikTok, battante EB. Sur TikTok, le nom c'est Reine Lumière. Léa Bakekolo. Léa Bakekolo. Tu n'aimes pas quand tu es très relax, tu n'aimes pas qu'on te dérange, tu ne stresses pas beaucoup. Par contre, tu as des gens de ta famille qui sont jaloux du fait que tu es quelqu'un que tu aurais même pu épouser un homme très riche. Je vois un peu ça dans ton énergie. Il faut prendre le kit attirance d'abord, prendre le kit attirance, après tu feras fondation. Oui, pour ceux qui ont commencé le travail spirituel, écrivez-moi s'il vous plaît pour que je vois à quel niveau vous en êtes. Et si vous avez les témoignages aussi. Ce n'est pas parce que tu as fait ton lavage le mois passé que c'est fini. Parce que quand tu fais le mois prochain, quelque chose va encore venir. N'oubliez pas ça. Yannick, je t'ai donné le numéro inbox. Mais si tu n'as rien fait, ne mens pas non plus parce que le travail ne va pas mentir donc. Si tu n'arrives pas, tu écris que c'est la première fois. Voilà, je veux savoir comment ça fonctionne. Et si on t'a donné, parfois aussi on vous donne les produits même, mais vous avez de l'influence sur vous qui fait que vous n'arrivez pas. Mireille Baronon. Voilà. Beaucoup d'idées. Tu as aussi beaucoup échoué dans ta vie et je vois beaucoup. Il faut que tu reprennes. Fais un lavage de purification, Mireille. OK? Tu nous contactes du purification. Oui, Canaan, ils te font un déblocage, c'est ça. Audrey Yinda. Elodie. Bonjour. Laïla ou Stéphane.
Ah, d'accord, c'était Stéphane, d'accord. Stéphane, ok, je crois que tu dois être un intellectuel, Stéphane. Un peu bloqué, je vois sur ta tête. Je vois sur ta tête comme si on a bloqué ton intelligence, Stéphane. Dans le sens où tu as peut-être eu des difficultés à finir des études, soit tu as fini, tu ne trouves pas le travail, Stéphane. Donc, chez toi, déjà, ce que je vois, c'est qu'il faut faire. Il faut restaurer d'abord. Je vois beaucoup tes idées. Tu es quelqu'un que tu es ingénieur, peut-être en quelque chose, peut-être, Stéphane. Maintenant, tu dois faire d'abord un travail de fondation parce que c'est comme si on avait dit que les gens de ta famille ne vont pas avancer. Je vois un peu comme un sort qu'on a jeté peut-être côté arrière-grand-père, quelque chose comme ça. Et c'est ça qui te bloque. Oui. Oh, pardon, ne vous fâchez pas. Oh, Edgar, depuis j'envoie les fleurs, vous ne voyez pas, maman. Désolée. Edgar, moi, Béga. Il n'y a pas de photo là, c'est chaud. Tessia, c'est toi sur la photo. Bon, je reprends un peu sur Facebook. Félicia Gomis, oh là là. Tu pleures que tu n'as pas l'argent pour faire ton travail spirituel. Dieu veut voir ta façon de faire. Fais même avec le pipi seulement. Bon, en fait, tu es bloqué mentalement d'abord. Tu seras une jeune et très riche dans ta famille, n'oublie pas. Marie-Adèle, je n'ai pas dit que le kit de fondation va permettre de se rappeler de ses rêves. Quand tu dis que tu as acheté le kit de fondation, mais tu ne te rappelles pas tes rêves. Non. Quand tu prends un kit, hein, il y a beaucoup de choses qui s'enlèvent sur toi. Donc, il y a des gens qui font même parfois le kit de fondation 3 mois d'affilée. Le mois, c'est l'achat. Le mois prochain, l'achat. Le mois prochain, l'achat. Donc, ne commence pas une fois, tu te dis que tu as fait. Non. J'essaie de. Ah, d'accord. Tu vois, Pétroline me dit qu'elle essaie de se séparer de quelqu'un. C'est ça que je voyais dans ton énergie. Attends, je vais prier pour toi, pour Pétronille. Éternel des armées, je te confie ta fille, Pétronille. J'enlève tout blocage. Toute personne qui te retient, qui la retient dans une relation. Bangou, je vais te prendre après. Fais-moi seulement un message. Toute personne qui retient Pétronille bloquée. Toute mauvaise énergie. Tu vas mettre beaucoup d'encens dans ta maison, Pétronille. Pétronille. Beaucoup d'encens. C'est un peu comme s'ils ont mis cette personne-là pour te retenir. Voilà. Je vais mettre sur toi. Voilà, je te vois un peu comme si je dois te mettre de l'énergie, comme une fusée qui doit s'envoler, comme un missile. Voilà. C'est ce que je vois pour toi. Fais le lavage avec le pipi pendant 3 jours. Tu as compris? Bon, merci pour les casquettes que vous me donnez. Je te libère, selon Isaïe 10, verset 27. Je brise toujours sur ton cou, Pétronille. Bangwa Boy, Bangwa Boy, Bangwa Boy. Quand je vois les noms comme ça, je ne peux pas te lire. Merci, Stéphane. Bon, Stéphane, je reviens à toi. Tu dois. Je t'ai parlé des fondations chez du côté de papa. Donc, prends le kit de fondation d'abord. Mais je vois beaucoup ta tête. Il y a beaucoup ta tête. C'est ce que je vois avoir la calvitie, même très tôt. Parce qu'on attaque la tête. C'est l'une des choses là. Voilà. Stéphane, Stéphane. Pardon. Pardon? Parle, parle. Riche. J'ai pas l'argent pour faire le travail. Uriche, si tu n'as pas l'argent pour faire le travail, c'est ce que je vois d'ailleurs dans ton énergie. Comment ça fait seulement le pipi? Je vais donner le témoignage du monsieur qui a fait seulement son lavage au pipi pendant 6 semaines. Il a eu le boulot, la maison. Maintenant, il veut seulement qu'on restaure sa Range Rover. Donc, et quand il a eu l'argent, maintenant, il a acheté les kits. C'est maintenant que je lui envoie les kits. Alors que ça fait 2 mois qu'il a commencé à suivre mes conseils. Merci, Ada. Ok, Tessia, c'est toi sur la photo. Tercia. Oh là là, très jolie, très très belle étoile. Ça, tu as déjà l'impression que tu as attiré même que les ministres. Mais il y a le blocage de ce côté. On a un truc qu'on appelle le kit de mariage qu'on a créé. C'est cette semaine qu'on va commencer à le vendre. Tu peux le prendre. Le kit de mariage te permet d'attirer des blancs si tu veux et des hommes riches. Aussi de restaurer surtout dans l'étoile. Il y a beaucoup de femmes que vous avez l'étoile. Le lavage du mois coûte 50 euros. 50 euros. Je n'ai pas de promotion. Le mois passé, j'ai fait la promotion dessus. C'était à 15 000 pour chacun. Cette fois, c'est 33 800. OK? Ça se fera à Yaoundé et à Douala physiquement. Ceux qui sont à l'étranger, vous envoyez vos photos avec vos noms. On fait le lavage. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. On ne commence pas un business sans faire son travail spirituel. Sinon, tu vas beaucoup ramer. Tu vas parfois payer le loyer. Tu vas dépenser 6 millions pour mettre un business sur pied. Alors que tu n'as pas mis la fondation spirituelle. Tu ne vas pas durer 6 mois. Je t'assure. Dès que le loyer va finir, tu vas partir. Donc, ne blaguez pas avec vos choses. Vos mariages sont attaqués. Toutes ces choses-là ont besoin d'offrandes. Tu as fait le travail spirituel sur ça. Bon, Cindy Dorinel,
Tanzin Djike. Cyril Djike. Très, très. Tu te vois très petite dans ta famille. Tu as aussi beaucoup aidé. Je te vois que tu as beaucoup aidé. Mais les gens ne voient pas. On te simplifie. En fait, si tu donnes ta main, on va vouloir prendre ton corps. Modère un peu ça. Concentre-toi sur toi. Voilà. Même s'il y a les commentaires qui sont négatifs, il y a tellement de commentaires que même si vous me détestez, je ne peux pas voir. Vous avez suivi. Donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Getsa Nutsawo Karine. Coriane, pardon. Coriane. Après, je vais lire ceux qui l'envoient les fleurs là. Yannick, je vais revenir sur toi. Coriane, Coriane. Ouf, très petite. Ta mère n'a pas beaucoup travaillé sur toi. Coriane. Bon. Ceux qui m'écoutent et que vous n'avez pas. Coriane, écoute, ça c'est pour toi, mais je vais aussi donner à tout le monde. Coriane, tu dois faire le lavage. Au sel, tu mets le pipi sur ça pendant 3 jours. Deuxième chose, tu achètes le Nido. Donc tu fais 3 jours de lavage au pipi. Après ça, tu fais 3 jours de lavage miel, lait. Lait Nido, miel. Une cuillère de Nido, un sachet de Nido de 100 francs, 150, et une cuillère de miel. Ça aussi. Quand tu fais 3 jours, c'est pour restaurer ta beauté. Maintenant, tu fais 3 jours. Après ça, maintenant, tu achètes une bouteille de vin. Vin rouge. Tu dois verser ça sur la terre. Et tu vas demander la faveur des ancêtres. Ah, c'est le dernier jour. Après, tu achètes les biscuits, les bonbons. Quel que ça dépend de ton argent, tu offres aux enfants. Donc, oui. Oui, d'accord. Le numéro est épinglé ici, là, sur Facebook. Vous pouvez regarder. OK? Le kit mariage fait. Il faut nous contacter le 680 71 0701. 00237 680 71 0701. 00237 655 31 07 50. 31 07 50. Donc, je reviens donc à. Il y a Stéphane et puis à Franck, je pense. Stéphane. Stéphane, oui. Tu dois. Je sais que tu es un peu quelqu'un que tu es. Des trucs comme ça, là, souvent, tu es un peu prudent. De dire, ah, est-ce que c'est même ça ou pas? Stéphane, tu dois vraiment croiser. Parce que tu as déjà besoin, quand tu vas attraper la routine, tu vas tellement bien faire. S'il te plaît, Stéphane, intègre le lavage de pipi même pendant 4-5 jours. Tu vas voir ce que ça va faire. Et ne sois pas trop incrédule. Crois. Donc, le lavage de pipi, ça se fait avec le Opus Eureka. Je sais pas si tu avais déménagé finalement Opus. Je t'avais demandé de déménager là où tu étais. Donc, Stéphane. Fais le lavage au pipi là dont je parle. Deuxième chose, si tu peux, contacte-moi. Il y a l'offrande là que je vais faire. Et c'est parce que comme si tu travailles déjà, tu auras une promotion. Je te vois en fait, ta tête va beaucoup t'amener, ça va t'amener loin. Tu as beaucoup d'intelligence, mais très peu utilisée ou encore bloquée. Le lavage au pipi, j'ai bien expliqué. Tu prends un quart de verre de ton pipi le matin, premier pipi. Tu mets dans l'eau, dans 3 litres d'eau, 3 ou 4 litres d'eau, tu mets le sel. Tu lis le psaume 35, le psaume 37 et le psaume 91. Après, tu demandes ce que tu veux et tu te laves avec. Ça fatigue beaucoup. Donc, si tu fais ça, non, ça va tellement casser ton corps. Donc, Chan. Oui, Chan. Chan, attends, je repars dans ton énergie pour voir. Je ne sais pas pourquoi, mais je te vois. Est-ce que tu coiffes? Ou bien, tu as quelque chose à voir avec le soin des cheveux? On va vous montrer pour toi. Beauté, soin de quelque chose, corps ou cheveux. Est-ce que tu fabriques les crèmes pour les cheveux? Je sais pas, c'est ce qu'on me montre. Si tu fabriques pas quelque chose, tu dois apprendre. Parce que je pense que c'est là que tes choses sont vraiment données. Sidolou, Sidolou. Merci pour les lunettes, Sidolou. Sidolou, Sidolou. Pétronelle. Waouh, tata, je dois abandonner cette relation-là. 12 ans. Waouh. 12 ans de blocage, Pétronille. Bon, Karine, merci pour le football. Merci pour la. C'est parce qu'on m'a envoyé. Merci, Stéphane. Déesse, merci. Je dois me recentrer. Attends un peu. Ma cloche, là, ma cloche. C'est dehors. 1 minute, s'il vous plaît. Et puis l'encens. Je dois restaurer l'énergie dans la pièce. J'enlève tout mauvais œil dans ce direct. Tout œil maléfique. Tout œil maléfique, je retourne à l'envoyeur. Tout œil maléfique.
Toute personne avec mauvais cœur qui est ici, qui est là pour bloquer les gens. Toute personne qui veut m'empêcher d'aider les gens. Je te retourne maintenant tout ce que tu es en train d'envoyer ici à l'envoyeur. Merci. Je restaure votre énergie. Je restaure votre énergie. Je vous réveille. Je vois beaucoup d'entre vous, il y a des points sur vous comme ça, là, ça vous bloque. Quand je vais sonner cette cloche, je vous réveille de tout ces écueils dans lesquels on vous a déposé. Ceux qui envoient les fleurs que je n'avais pas allé voir, tout voile qu'on a mis sur vous, je déclare que ces voiles sont retirés au nom puissant de Jésus. Je viens vous libérer par cette cloche que j'avais fait sonner. J'enlève les mauvaises énergies de votre maison au nom de Jésus. Bon, les demandes, ok, je vais voir les demandes. Merci de la suggestion. Madina, soyez concis quand vous parlez, ok? Comme ça, on va voir si elle peut faire les lectures en direct. Mandina, j'ai accepté ta demande. On va voir ce que ça va donner. Bonjour. Bonjour, Mandina. Comment tu vas, tata? Très, très bien, merci. Et toi? Ça va. Moi, je vais écouter pour moi parce que tu as trop de messages. Je vais écouter pour moi aussi. D'accord. Regarde, il y a trop de messages. Tu n'arrives pas à lire pour moi. C'est ça. Bon, première chose que je veux d'abord... Bon, ceux qui sont en train d'envoyer les fleurs, là, vous allez envoyer les demandes. Je crois qu'on va essayer de faire comme ça pour voir ce que ça donne. Mandina, c'est une partie de ton nom là-bas. C'est un de tes noms. Non, mon nom, c'est Fabiola. Mandina, c'est mon nom de... Et c'est toi qui es sur l'image? Sur Internet. Oui. D'accord. Si c'est toi, au moins, ça peut, je peux utiliser ça. Tu es quelqu'un que tu es très déterminé. Tu es très déterminé. Et par contre, on te dit trop de mauvaises paroles pour te décourager. Tu es une visionnaire. Tu as beaucoup. Je vois que tu te vois comme ça. Tu as beaucoup de choses, de projets que tu as, des choses que tu veux faire. Et parfois, ce n'est pas ton problème, c'est pas les finances. On me dit que c'est pas ton problème, c'est pas les finances. Donc tu ne te déranges même pas de ce côté-là. Je sais aussi que tu es déjà une influenceuse ou bien parce que je vois aussi cette partie-là. Tu vas aussi dominer de ce côté-là. Tu es déjà une influenceuse? Oui, on peut dire. D'accord. Non, ne dis pas qu'on peut dire. C'est ça que je vois. Maintenant, une influenceuse a toujours eu... Tu as un moment, une influenceuse a eu 100 abonnés. Un moment, tu as eu 200 abonnés. Donc, même moi, c'est vrai que sur TikTok, j'ai 80 000. Mais un moment, j'avais aussi 200 abonnés. Donc, je ne sais pas combien tu as maintenant, mais c'est ce que je vois aussi. Je vois une énergie qui te bloque pour parfois. Parfois, tu veux faire... Il y a un type de vidéo que tu veux faire. Je sens bloqué. Tu as l'idée, mais après, tu ne concrétises pas. Voilà. J'enlève de ton espace. Ok, prends là, mets ton index droit sur ton front. J'ouvre ta vision, j'ouvre ton troisième œil. Je déclare, voilà la reine derrière toi. Waouh, tu as une très forte protection angélique. Je viens maintenant mettre sur toi, je te connecte. Oh my God, ta tête était aussi bloquée, ta tête était très bloquée. Je débloque ta tête maintenant, je débloque tes pensées. Tu as une couronne qui a 7 étoiles. 7. Je ne sais pas combien de travail spirituel tu as fait. J'entends le mot 12. Il faut que tu me fasses un inbox aussi après. Je vois la restauration de la lumière sur ta tête. Voilà. Je viens débloquer ton imagination et ta créativité. Voilà. Enlève les mains maintenant. Si tu déposes le téléphone, je veux que tu mettes ta main droite sur ton avant-bras comme ça là. Tu déposes là-bas. Je vais utiliser ça comme point de contact. J'enlève maintenant toute sensus spirituel qu'on a mis sur toi pour te contrôler. Je sens ça du côté maternel. C'est comme si tu as les tantes peut-être du côté maternel. Je sens un blocage qui vient du côté maternel qui te retient. J'enlève tout blocage qui te retient venant du côté maternel. Dans votre concession au village, je viens déterrer Ange Michael. Je t'envoie dans leur village. Tu es de quel village? Tu es Bamileke? Bassa. Je vois le même B devant, ok. Village. Je plonge dans une concession chez vous. Ils ont enterré des choses. Ange Michael, je viens déterrer les dents d'animaux qu'on a mis à l'entrée de leur concession. Je libère maintenant ces idées. Voilà, c'est vos créativités. Ok, si tu es dans, je ne sais pas dans quelle vie tu es, il faut que tu achètes l'huile de blindage. Tu dois mettre ça sur ta tête. Il te faut faire le travail d'attirance aussi.
Quand il dit un travail d'attirance, ce n'est pas mauvais, mais c'est juste pour restaurer ton attraction. Voilà. Et tu vas prendre le kit célébrité. Ça va beaucoup accélérer ta visibilité. Kit célébrité. Bon, il faut que tu me... Mets-moi le crédit parce que je crois que... Il faut que tu me le crédites sur ton téléphone. Après, moi, mets-le ici parce que j'ai déjà les 50%. Ça va finir bientôt. Ok. Bon, pour toi, c'est tout maintenant. Maintenant, si j'étais en vidéo perso, ça peut me permettre d'aller plus loin. Maintenant, je vois, tu vas être... Ta célébrité va augmenter plus que ça. Si tu veux tester, fais seulement les deux, trois choses de ce que je t'ai dit. Tu donnes-toi une semaine, tu vas voir, tes abonnés vont augmenter. Et tu as aussi des idées parfois pour avoir l'argent qui sont bloqués. Je t'envoie un mégard. Pour quel téléphone? 600, 678, prends le numéro. Non, ça c'est Orange, non. Ça ne va pas aller. 93. 6, hein? Non, il n'y a pas le 93 ici. Bon, j'espère que tu as compris, ma chérie. Ok, j'ai compris, au tata. Écris-moi en inbox, je vais te donner encore la prescription un peu plus perso, c'est tout. Tu prends une semaine, tu fais ça. Si ça marche, là, tu achètes le kit. Mais il y a le kit célébrité que tu dois avoir. Il y a une poudre dedans que j'appelle poudre étoile. Ça restaure ton étoile, surtout pour ceux qui sont censés être connus sur les réseaux sociaux. Ok, je te remercie, Mandina. Merci, bye. D'accord. Bon, je ne sais pas comment raccrocher l'affaire. Ok. Je vais essayer de voir dans la liste ceux qui ont envoyé les... Je vois ceux qui ont, surtout ceux qui ont envoyé les cœurs, je sais pas trop quoi. Si vous avez envoyé un cadeau, je vous prends. Oh là là. Attendez. Celui qui a envoyé un cadeau, ok. Celui qui a envoyé un cadeau, ma vie, est-ce que tu as envoyé la demande que je prenne, ma vie? Pour toi, j'essaie de t'avoir depuis. Le numéro, c'est le 00237-680-711-0701. 00237-680-711-0701. Deuxième numéro, c'est le 00237-693-50-22-66. Troisième numéro, 00237-655-31-0750. Ote Rana. Bon, Sidolou, envoie un peu de demande pour qu'on parle, même si tu ne mets pas ta vidéo, juste en audio. Parce que quand j'entends parfois votre voix, ça m'accélère la lecture. Envoyez-la. Merci pour les cadeaux que vous envoyez. Envoyez-la les demandes, comme ça je peux voir. Pendant que vous envoyez la demande, je vais prendre Facebook. Morel. Oui. D'accord, tu as lancé le partage. Ok, quand ça va finir ici, là, je vais switch, je vais partir sur ton réseau. Non, Stéphane. Est-ce que tu parles en audio, Stéphane? Toutes ces personnes qui m'envoient les cœurs depuis là, est-ce que vous m'avez. Ok, je vois l'invitation de. Le Tika, le Tika. Bon, je vais te prendre quand même le Tika, c'est ta chance. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Pays. Belgique. Ok. Ah, nombre d'années là-bas. Un an et quelques jours. C'est toi sur la photo? Ok. Je dois faire dans les. Je dois acheter des choses et venir vendre au pays. Je dois dans les trucs, vendre des choses au pays. Tu as les idées de business pour acheter là-bas et venir vendre. Ouvrir une boutique ici peut-être. Alors je vais essayer de voir un peu tes blocages. C'est comme si ta famille va vouloir te décourager parce qu'on veut que je te focalise trop sur l'école. Mais tu as les idées de business que je vois. Je vois, attends. Tu as aussi beaucoup de. Côté finance, tu n'as pas, et personne ne t'aide, mais tu as les idées de ce que tu veux faire. Et je vois un peu des blocages, comme si on entendait, je ne sais pas, tu veux faire, mais après, tu sens un blocage. Voilà. Dans quelques années, tu vas aussi partir dans notre pays. Je te vois peut-être au Canada. Donc, si après, tu vas partir de là. Donc, si l'opportunité se présente, n'hésite pas. Là, ton esprit ne correspond pas à cet endroit-là. Si une, pose-moi une question. Si tu n'as pas de question, c'est pas grave. Le domaine dans lequel je peux exceller. Je te vois beaucoup dans les affaires. Je te vois, tu achètes, tu revends et ça te fait beaucoup de bénéfices très vite. Bon, ça ne veut pas dire que. Est-ce que tu étudies? Tu es étudiant? Oui, je suis étudiant. Ok, ça ne veut pas dire que tu peux pas faire en parallèle, mais je te vois vraiment.
En train d'acheter, tu achètes et tu envoies au pays, tu revends. Je vois même les voitures carrément. Donc, vois si pendant que tu fréquentes, tu as d'autres choses que tu es ouvert à ça. Parce que parfois, tu dois connaître tes dons. Quand tu connais ton don, ça t'accélère les choses. Voilà. Bon, le numéro, prends le numéro, tu me contactes en inbox. Comme ça, on peut parler un peu plus si tu veux. D'accord, je suis en train de noter. D'accord, merci. Le numéro, merci Stéphane. Stéphane, si tu es dans les demandes, je vais te prendre. 00237-680-71-0701. 00237-655-31-0701. On essaie de voir vos requêtes. Voilà, Sidolou. Voilà, je vais te prendre. Je crois qu'il y a aussi. Ouais, Queen Mayo. Marielle. Marielle. Voile, voile sur ton visage. Prends le kit attirance, Marielle. Prends le kit attirance. Ça va beaucoup t'aider, Marielle. Et aussi, après, tu vas faire fondation. Marielle, tu n'as pas fait le travail spirituel. Il y a beaucoup sur toi. Hi. Bonjour, Sidolou. Bonjour. Bonjour. Ok, pays. Je suis aux États-Unis, à D'accord. New York plus précisément. Oui. Donc, en fait, c'est mes papiers. J'ai duré avant d'avoir mes papiers, quoi. C'est venu bloquer. Et ça fait 6 ans comme ça. Mes enfants me manquent, quoi. D'accord. C'est l'année passée que j'ai eu un mari. Quand Donc, tu il es parti, ça a n'a pas plu à accepté certaines de personnes de ta famille. Donc, il y a les cadeaux que tu vas faire. Tu vas envoyer peut-être des cadeaux particuliers à certaines personnes de ta famille. Particuliers. Oui, beaucoup, je donne beaucoup. Ok. Beaucoup, Ta beaucoup. mère est vivante? Non, ils l'ont tuée. Elle est décédée. D'accord. Très tôt. D'accord. Ta Je grand-mère? suis l'aînée. Quand on dit Mes envoyer. grands-parents Oui? sont décédés. Côté paternel, ils sont décédés. Où je devrais venir? C'est-à-dire, il y a une qui est décédée. Je suis venue ici pendant les funérailles. Et mon grand-père aussi, côté paternel. Ça veut dire que c'est plutôt eux que tu dois alors honorer. Parce que je vois comme si tu es les pères, grands-pères, genre les personnes qui te suivent directement. Quand on dit de donner les cadeaux, vous devez savoir exactement à qui donner. Très important. Merci beaucoup au COCAM. Vous devez savoir à qui donner. Donc, parfois tu envoies seulement aux gens, il y a parfois les oncles et les tantes qui vous utilisent. Vous envoyez les choses chez eux Oui. alors que ce n'est pas. C'est les gens qui ne vous aiment pas. Je vous dis clairement, parce que je sais que parfois vous Oui. croyez que tu donnes comme ça alors que la personne dans son cœur ne te porte pas. Et si un rite a fait, il ne te montre pas. C'est vrai. Donc tu dois absolument demander qu'on. Chez nous, tu es de quelle nationalité? Je suis Origine. ivoirienne. Voilà. Ça veut dire que Ivoirienne. chez nous, on a des choses quand tu compares, on retourne sur la tombe pour faire des trucs. Maintenant, si tu as quelqu'un de confiance au pays qui peut aller dans le village, il s'assure juste que la tombe est bien nettoyée. Donc si c'est peut-être on nettoie, si les herbes autour, on enlève. Et on donne à manger aux gens du village. On dit que c'est à ton nom. Moi, je dois te faire une offrande, je dois te faire un truc à l'eau, je dois faire un travail pour toi à l'eau. Et il y a aussi des trucs que je dois te demander de Oui. faire là-bas. Tu dois faire super pour que la terre là t'accueille. Je fais mes vidéos et vous dites de faire les choses, vous ne faites pas. Parfois, tu arrives dans une terre, tu es seulement là comme ça, tu ne sais pas quelque chose que tu dois faire pour te connecter à la terre. Donc, tu dois retourner dans on doit Oui. faire dans ton village, ça c'est de là où tu es né et d'où tu viens. Maintenant, il y a l'autre que moi-même je vais faire. Et puis, il y a ce que toi, tu vas faire là où tu es. Ça va faire une sorte de trio. Tu comprends, donc, Oui. il faut honorer ces gens-là, parents et grands-parents. Deuxième chose, je crois que côté relationnel, je crois aussi que tu as un peu beaucoup gramé là-dessus. Quand tu es parti, il y a quelqu'un en particulier dans ton pays qui a vu comme tu es parti, qui va te bloquer pour que tu arrives, mais que tu ne te stabilises pas. Et c'est aussi une attaque sur tes enfants. Parce que quand tu es séparé de tes enfants, c'est que tu ne peux pas corriger les enfants, tu ne peux pas les aider, tu ne peux pas faire du bien à tes enfants. Oui. Si quelqu'un a un problème avec. Écoute, il y a quelqu'un qui disait que Jésus t'aime aussi. Tu as compris, mon frère? Jésus t'aime, Jésus t'aime. Voilà. Bon, ce qui fait que parfois vous êtes bloqué quelque part, mais les gens de votre famille connaissent ce qu'il faut faire. J'ai une amie C'est qui m'a dit ça. l'autre jour qu'elle part dans son village pour faire un rite. Elle arrive là-bas. Sa tante qui est gardienne de leur village
Sa tante, là, l'avait reçue il y a de cela 5 ans. Elle est venue pour faire des rites. Mais sa tante lui dit que tu étais d'abord venue, tu m'as oublié. Tu ne m'avais pas, tu n'avais pas tenu compte de moi, tu ne m'avais pas honoré. Donc sa tante savait ce qu'il fallait faire. Elle est venue pour faire avec son père. Sa tante a vu comment elle faisait mal. Elle ne lui a pas dit. Elle est partie, le mariage qu'elle venait faire, ça s'est gâté. Elle a perdu ses papiers, tout. 5 ans plus tard, elle connaît maintenant parce qu'elle écoute ce que je fais. Elle commence à faire elle-même. Elle retourne au village. Sa tante a dit, quand j'étais venue, ça fait quelques années là. Moi, j'étais vu, tu faisais, je riais seulement. J'ai dit que je voulais voir là où ça va arriver. Donc, il y a les gens qui ne vous aiment pas. Parfois, ils connaissent ce que tu dois faire pour avancer. Ils ne te disent pas. Faites, soyez très prudent. C'est ça. C'est ça. Mais concernant mon village paternel, oui. Quand je suis arrivée, ça n'allait pas du tout, du tout. Mon père a vu ses frères-là et ils ont fait des sacrifices. Oui. Et maintenant, j'ai un oncle-là qui me fait un peu de chantage. Je ne sais pas. Qui dit que c'est grâce à lui. Alors que ici, je ne m'en sors pas, quoi. Je m'en sors pas. Ce qu'on a fait, ce n'était pas assez. Ça ne les a pas rassasiés. Ça ne les a pas rassasiés. Tu as compris, ma chérie? Au début de cette vidéo, j'ai dit que le travail spirituel, ce n'est pas quelque chose qu'on doit seulement faire une fois. On attend. Si tu es là depuis 5 ans, tes choses ne marchent pas. La particularité de mon travail, c'est que quand je travaille, je te dis donc que si tu fais une semaine, deux semaines, tu vas pas le changement. C'est que soit je n'ai pas fait le bon, soit je n'ai pas détecté le bon, soit ce qu'on a fait, ce n'était pas assez. Le travail spirituel, tu n'as pas attendu 5 ans pour voir le résultat. Parfois, quand je suis sur l'autel en train de faire un sacrifice pour quelqu'un, la personne m'appelle et me dit que maman, tu as même fait coco aujourd'hui. J'ai un de mes fils là, il est en France. Quand lui et sa copine m'ont contacté la dernière fois, ça n'allait pas. Sa femme, son ex-femme l'avait ensorcelé un degré là que il me disait que vraiment là où il est là, c'est chaud. J'ai fait un travail pour lui. Un. Il m'écrit hier, il me dit que là où il est là, il a un poste. Deux semaines, hein. Il me dit qu'en deux semaines, on lui a donné la promotion. Il dépasse maintenant son supérieur. Le travail spirituel, quand c'est le bon, ça ne tarde pas. Moi, je vous dis. Ce qui fait que quand toi-même tu pries, parce que quand il commence le travail ici, il te dit, donne-toi-même les prières que tu l'as fait. Il te dit que tu ne dois pas attendre. Donc, on va travailler entre vous sur tes enfants. Parce que vous négligez souvent vos enfants. Ce n'est pas quand tu seras bien que tu vas prendre tes enfants. Parfois, on bloque tes enfants. Et je ne sais pas chez qui ils sont. Voilà encore un autre domaine de travail. Parfois, tu laisses tes enfants chez des gens qui sont. Ils savent que si on bloque les enfants chez eux, tout le temps, ils vont t'attacher. Parce que quand ils vont demander l'argent, tu vas envoyer. C'est ça. Mm-hmm. Voilà. Donc, je vois qu'il y a plusieurs volets sur ton travail. C'est ça. Mm-hmm. C'est ça. Bon, ma chérie. En tout cas. Inbox, s'il te plaît. Merci beaucoup. Mm-hmm. Merci aussi. Mm-hmm. Merci, je vais vous écrire. D'accord. Merci. D'accord. Soyez très prudent. Ce n'est pas tout le monde qui veut votre bien. Souvent, tu es loin de tes enfants, tu travailles seulement sur toi, alors que tu dois travailler sur tes enfants. Les plumes, c'est le bon signe. Mira, si tu as vu les plumes sur le lieu sacré quand tu fais ton travail. Légèrement, les anges se manifestent avec les plumes. Papillon, plume. Maria P. Ok. Merci. Arène. Bonjour. Bonjour. Mm-hmm. Comment ça va? Oui, ça va bien. Pays de localisation. Oui, je suis en Belgique. Ouf. Je sais pas pourquoi il y a une énergie en Belgique. Continue alors. Si tu as une question, tu poses. Non, sincèrement, je voudrais savoir sur ma vie. Sur mes énergies. Est-ce que tu as une maladie dans le corps? Oui, j'ai mal sur mes pieds. Je t'ai dit tout à l'heure que je vois le mal de genou, non? Ça fait mal. Donc tu as mal au pied, ok. Oui, c'est dans mon pied, ça fait presque 2 mois. Ok. C'est une flèche qu'on t'a envoyée. Que si tu as rêvé de Superman, ça veut dire que le Seigneur doit t'élever spirituellement. Tu as compris, Chris? Il faut faire une libation, verse du vin sur le sol. Et je te lave au sel, Chris. Bon, regarde ma chérie. Oui. Maria. C'est une flèche, parce que parfois les gens... c'est une flèche. Parce que tout à l'heure, quand je regardais ton énergie, je voyais la maladie. J'ai vu dos et puis je voyais genou, donc pied. Ok.
Tu dois. Il y a une nuit de blindage là qu'on doit, on peut t'envoyer. Tu mets ça, tu ouvres ça sur tes pieds. Deuxièmement, tu dois te laver au sel régulièrement, c'est-à-dire matin et soir, sans blaguer. Maintenant, attends, j'essaie de voir de quel côté ça vient. Tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants, mais je vais avoir aussi des petits-enfants, des jumeaux. Ah, d'accord. Le papa, tu vis avec lui? Non, non, il est au pays, on a divorcé, ça fait longtemps. Je vois, il faut que tu prennes de l'eau. Dans ta maison, il y a des entités qui t'affaiblissent la nuit. Prends 1,5 litre d'eau. Tu vas verser du sel dedans. Ça, c'est un rite que je donne souvent aux gens de faire. Tu vas verser du sel dedans. Trois pincées de sel, oui. En attendant, peut-être d'acheter du sel chez nous. Trois pincées de sel de cuisine. Oui. Tu mets ça dedans. Tu vas lire le psaume 35, le psaume 37. Tu vas ouvrir les fenêtres de ta maison. J'entends le mot serpent. Ça aussi, il y aura un serpent esprit dans ta chambre particulièrement qui te fatigue beaucoup. Ça te fatigue beaucoup. Je vois le découragement aussi. Je sens beaucoup découragement. Comment sont tes nuits? Tes rêves sont comment? Oui, je fais beaucoup de cauchemars et je retourne toujours au pays. Alors que je suis ici plus de 18 ans. Ta maman est encore là. Hein? Oui, elle est au pays. Elle est là. D'accord. Une minute, s'il te plaît. Ceux qui veulent les kits, on les poste partout dans le monde par DHL. France, à Paris, on n'a qu'une dame. On vend les produits à Paris. Toute la France aussi, on poste. Suisse, Belgique, on poste. Maintenant, pour commander les kits, parfois, tu n'as pas besoin, tu peux commander, commencer par le kit fondation. Si tu as une situation très proche qui est bloquée, peut-être comme le visa, tu prends le kit de déblocage. Ou si tu as plus d'argent, tu prends le kit de déblocage plus. Déblocage plus, c'est 55 000. Là-dedans, il y a tout. Parce que parfois, vous avez des trucs qu'on a mis dans votre corps. Parfois, la glaire, tu restes sur ça, tu te réveilles. Parfois, dans le sommeil, tu tousses beaucoup. Et tu as des glaires sur le truc ici-là. Donc, le kit de déblocage plus aide beaucoup sur ça. Le thé de désenvoûtement, vous le prenez carrément au quotidien. Quand tu manges le matin, tu bois ce thé-là. Si tu as peut-être ton mari qui dérange un peu, ou il y a les femmes qui le dérangent dehors, il n'y a pas d'entente entre vous deux, tu lui donnes ça à boire. Il y a le kit fondation. Si vous rêvez tout le temps que vous vous retrouvez au village chez vous, vous retrouvez chez vous, vous savez qu'il y a des trucs chez vous qui vous bloquent. Maintenant, parfois, vous avez tellement de mauvaises personnes dans votre village qui ne peuvent même pas vous aider. C'est-à-dire, tu sais que je suis sûr que. Bon, pour Yaoundé, je suis à Yaoundé mercredi et jeudi. Le numéro de Yaoundé, c'est le suivant. 655 31 07 50. Donc, parfois, tu sais que tu ne peux pas retourner. Donc, Maria, ça, c'est un des trucs que tu vas faire. Tu vas prendre le kit fondation. Ça, c'est l'une de mes choses là-bas. C'est ma part d'onction qu'on m'a donnée là-bas. Couper les malédictions qui viennent de vos ancêtres, qui vous bloquent. Parfois, il y a des gens qui sont dans vos villages. Parfois, ta mère ne connaît pas Frédéric. Ta mère ne connaît pas. Elle est vraiment, on peut dire, non, ça va. Et ta mère ne connaît pas que bon, je vais pas aller faire ça pour ma fille. Tu tombes sur mes vidéos. Il y a des choses que le kit fondation peut aider déjà à débloquer ça. Et après, maintenant, tu envoies seulement quelqu'un, il peut seulement donner à manger. Parce qu'il y a des rites que ceux qui te bloquent ne doivent pas savoir que tu as fait. Ils ne doivent pas savoir. Donc, supposons que tu as une tante au pays qui ne veut pas que tu avances. Et chaque fois que tu envoies l'argent, il prend un peu de ton argent là pour aller faire les mauvaises choses avec. Maintenant, tu lui dis, maman, va au village, fais telle chose pour moi, telle chose. Si tu lui montres tout ce que tu as en train de faire, ce n'est pas bien. Oui. Donc, apprenez à mettre il y a même des sacrifices. Peut-être tu peux sacrifier un animal, peut-être tu ne lui dis pas. Parce que dans la limite, généralement, dans vos concessions, tu pars là-bas, tu donnes à manger aux gens seulement. Quand tu vas donner à manger, on sait, ils vont croire qu'ils sont en train de t'utiliser. Ils ne savent pas que tu as fait ton travail ailleurs. Travail que je fais aussi. Moi aussi, je le fais. Travail que tu ne peux pas faire ailleurs. Maintenant, tu vas seulement faire le casse-là dans votre concession. C'est tout. Donc, soyez très intelligent. Vous devez commencer à devenir très intelligent et rusé. Parce que les gens vous guettent. Bon, Maria, je reviens à ton cas. Les numéros, c'est le 00237. Tous les pays, vous commandez à ce numéro. Gabon, on a des produits sur place au Gabon. Côte d'Ivoire aussi. En Côte d'Ivoire, dans quelques jours, il y aura quelqu'un là-bas sur place. Mais on poste déjà. Il y a un représentant là-bas. Donc, Cameroun, 00237. 680 71 07 01. 237 680 71 07 01. Maintenant, ma chérie, on va aller doter là.
Ne pas pas faire ta dot sans travailler sur toi. Parfois, vous partez comme ça, là, les gens de votre famille vous attendent pour vous faire du mal. Il y a les produits de blindage, tu dois prendre, tu mets sur toi, tu mets dans ton huile, tu te avec. Ok, Flore, tu m'envoies les cadeaux. Oula, je n'arrive pas à envoyer les cadeaux. Ok. Bon, Maria, première chose que tu vas faire, je crois que tu as. Il y a l'eau à Liège, non? Il y a la rivière là-bas? Là où j'habite? Oui, oui. Oui, on a aussi la mer. Oui, merci. J'habite partout loin de la mer. D'accord. De l'eau. Oui, c'est dans la valise là-bas. Tu vas aller, je vais te guider pour ça, aller en inbox. Tu as compris, ma chérie? Tu as compris? Oui. Parce qu'il y a des choses que tu vas dire là-bas, oui, qu'elle va te dire. Et je ne veux pas que les gens entendent ici. Parfois, il y a vos méchantes personnes qui sont sur mes directs. Pour moi, il fait trop attention maintenant. Oui. Merci, chérie. Donc, il te faut, il y a l'huile de blindage que tu vas ouvrir sur toi. Et puis, deuxième chose, tu enverras quelqu'un au village pour nourrir les gens. Dans les rites qu'il y a à faire pour le visage, je vais faire de ce côté. Et toi, tu vas aller à l'eau, ok? Merci. D'accord. Bon. Okay. Merci beaucoup. De rien, ma chérie, Maria. Regarde, écoutez, vous devez être très, très prudent. Parce que vos détracteurs ou bien des gens qui vous oppriment, quelqu'un peut t'opprimer par le fait qu'il connaît que ça va t'aider. Il ne te dit pas. Oterana, merci. Attends. Mettez vos noms. Je vais essayer de lire vos énergies avec le nom. Étoile de mer. Nela. Un très big baby. Big baby, pardon. Très, très bonne énergie. Tu es très confiante. Tu es aussi très sûre de toi. Maintenant, ça va énerver beaucoup de personnes. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de membres de ta famille qui vont vouloir te gâter. Allô. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Pétronelle. Pétronil, pardon. Business, je vois beaucoup de... Par contre, tu as beaucoup d'idées, mais quand tu commences à mettre en pratique, l'environnement fait que ça te frustre. C'est comme si tu es un peu comme si tu ramais dans cette relation-là, tu rames, comme si tu montais carrément la montagne. Et tu es comme si tu es la seule à dire ce qui est bien. Donc, c'est comme si tu es la seule qui réfléchit, qui est lucide dans votre relation. Parfois, tu as l'impression que c'est comme si vous êtes en train de tomber. Il n'y a que toi qui essaie de vous relever. Donc, il faut que tu fasses très attention parce que... commence d'abord avec le lavage au pipi. Je vous donne les étapes progressives pour le travail spirituel parce que un à un, ça te permet progressivement de monter. Il y en a parmi vous que vous n'êtes pas prête à faire le travail de 500 000 francs CFA. Parce qu'on va dire peut-être... Même si tu payes, tu ne pourras pas tenir. Ton esprit n'est pas à peu près. Donc, quand tu commences les petits lavages, ça enlève les petits blocages, l'environnement. Il y a des gens qui venaient même te visiter souvent, qui ne viennent plus. Donc, toi, c'est pour ça. Il y a ta maison. Tout à l'heure, je disais à Maria qu'elle doit prendre de l'eau. Bénis cette eau. Tu dois faire aussi la même chose, surtout dans ta chambre. Et si c'est toi qui appelles le lot de monsieur, mets souvent du sel dans son eau. Tu pries sur son eau. Tu vois aussi qu'il est manipulé. Sur l'eau, là, tu vas mettre trois... Pardon? On dit que c'est vrai qu'on ne vit pas ensemble et tout. On a fait juste longtemps. On a fait près de 12 ans ensemble. On devait s'engager et d'un coup, comme ça, là, il s'est passé un problème lors de la présentation des familles. Depuis, il ne veut plus rien et autre et tout. Je ne sais pas trop. J'ai rien compris. Depuis, là, j'ai fait tout pour remettre tout en marche. Il est braqué. Ouais, ma chérie. Quand tu me dis comme ça, là, je vois. Même d'abord, le fait que c'est 12 ans avant que vous fassiez le mariage, là. C'est déjà le premièrement ralentissement. Fondation. Ça vient du côté. Maman est où? Maman fait quoi? Maman est mariée? Oui, oui, oui. Est-ce que maman travaille sur toi? Non. D'accord. Tu dois commencer toi-même ton propre travail. Je pense qu'il y a des trucs du côté maternel qui te bloquent. Et je te vois aussi affaibli. Je vois aussi ton attirance qui est volée. Tu as des tantes? Oui, normalement.
Je sens leur bouche beaucoup dans tes choses, je ne sais pas pourquoi. Même si ce n'est pas devant toi, ces personnes n'œuvrent pas pour que tu avances. Et aussi, tu te sens manipulé dans le sens où on a fait le genre que tu ne peux même pas te lever pour prendre conscience et dire, wow, voilà ce que je. Que ça, ce n'est pas censé être. C'est un peu comme si on t'a endormi. On t'a endormi. Donc, le tout de l'eau que je te dis là, tu l'as versé dans ta maison. Tu lis le psaume 35, psaume 37. Tu ouvres la fenêtre, tu commandes que s'il y a n'importe quelle entité qui est dans ta maison, devenant de n'importe qui, tu commandes qu'il sorte. Tu verses l'eau au centre de ta chambre, au centre du salon. S'il y a la cour, tu verses dans la cour. Y a quelqu'un qui est très dérangé par ce que je dis dans mon direct. Je sais pas pourquoi. Qui Pardon? m'empêche d'avancer. Et quand tu disais tout à l'heure que une relation qui m'empêche d'avancer, c'est pour dire quoi en fait, de lâcher prise et tout et d'avancer, d'abandonner vu que c'est comme. Maintenant que tu me donnes le nombre d'années que vous avez fait ensemble, maintenant que j'ai ton énergie, tu as deux options. J'aime toujours que chacun choisisse lui-même. Mais l'option de poursuivre le monsieur, pour l'instant, non. Travaille d'abord sur toi. Parce que quand un homme t'approche et qu'il veut être avec toi, quand ton énergie est claire et propre, il n'y a aucun blocage pour que vous vous mettiez ensemble dans les 6 mois qui arrivent. Souvent, même si tu as un homme qui te rencontre, qu'il a déjà l'argent pour se marier. Donc, quand déjà ton homme arrive, il est bloqué, vous n'arrivez pas, il hésite, il tourne, il tourne. Voilà déjà le premier blocage. Et ce n'est pas généralement sur l'homme, c'est sur toi, la femme. On ne t'a pas dit. Donc, te dire que tu vas aller travailler directement pour que ta relation s'arrange, ce serait te mentir. Tu as d'abord travaillé sur toi, ma chérie. Tu es bien bloqué là où tu es là. Tu es ralenti, attaché. Là où tu es là, tu es en slow motion. Tu es au ralenti. Donc, pour moi, te dire de courir pour aller dire que tu vas restaurer une fois la relation, tu n'as pas encore la force pour ça. Tu n'as pas encore la force. Tu n'as pas l'énergie. Donc, il faut d'abord couper les trucs de ta famille. Couper les trucs de fondation que tu n'as pas fait depuis. Là maintenant, quand tu vas, on va faire ça. Et personnellement, quand on te restaure spirituellement, pour moi, le passé est passé. L'ancien, c'est le vieux est passé. Le vieux est passé. The old is gone. Quand c'est comme ça, généralement, ça attire ta personne que tu avais prévue. Parce que parfois, pour certaines personnes, oh, je veux tellement qu'il m'épouse que tu te dis que non, laisse-le, tu vas dire que ouais. Donc, je dis, pour moi, je pense que le vieux est passé. Concentre-toi sur ton travail. Tu auras assez de discernement. Pour voir après que je ne dois pas être avec le monsieur. Mais si c'était mon conseil à moi, je dirais, fais d'abord ton travail à toi. Il va partir seul. Maintenant, il y a aussi des gens souvent que quand tu veux te séparer d'eux, pardon, excusez-moi, quand tu veux te séparer d'eux, tu dois d'abord faire ton travail spirituel. Sinon, tu vas te séparer, après tu vas revenir. Tu vas commencer à faire le yo-yo. C'est pour ça que je te dis que travaille d'abord sur toi. Tu vas quitter, après toi-même, tu vas encore revenir comme la fronde qu'on a tirée, après on a lâchée. Et quand tu reviens, ça, tu sens comment tu t'attaches encore plus. Donc, travaille. Fais-le sans dire aux gens. Donc, vraiment, fais-le en vraiment. Commence ton lavage au pipi. Fais ce que tu as dit avec l'eau là. Mets ça dans ta maison. Et tu dois aussi faire le traitement d'attirance. Le traitement. Pas le kim, mais le traitement d'attirance. Voilà. Bon, merci ma chérie. Il y a inbox aussi si tu veux, tu poses des questions. On est à Douala, Yaoundé, pour les kits. Bonne journée, ma chérie. Vous devez être très, 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 très prudent avec ces choses-là. C'est pas de la blague. Monsieur Bangwa Boy. Oh, regarde-moi, tu es frais. Mamma mia. L'énergie de l'enfance, là. Hein? Bon, ceux qui ont fait les demandes, je vais lire vos énergies à partir de vos photos. Comme ça, on va aller un peu plus vite. Bon, Bangwa Boy, je vais te prendre. Je te prends d'abord. Gaël Jatou. Sur Yaoundé, voici le numéro, tu réserves chez elle, tu payes. 00237 604, 655 pour Yaoundé. 655 310750. Ça, c'est pour Yaoundé. Oui, vous pouvez te dire l'eau là-bas avec. Bonjour, monsieur le Bangwa. C'est pas mal, non? Ça va. C'est toi qui fais comme on me Et fait moi arrêter ce aussi, qu'elle fait. hein? On me fait j'arrête ce qu'elle fait pour te parler. Mais qui. Donc, je veux donc écouter aussi, non? Tu sais, je suis traditionnaliste, donc j'aime beaucoup ce que tu fais. Pour Merci. une jeune et très belle fille qui a choisi de suivre la voie des traditions africaines, moi, ça me touche, quoi.
Merci beaucoup, merci. Voilà, donc je voulais aussi écouter ceci. S'il y a quelque chose sur moi, tu me dis aussi, j'écoute. C'est toi qui es sur la photo. Bien sûr, c'est moi, c'est moi. Tu es très généreux, tu es quelqu'un que tu aimes beaucoup aider les gens. Tu es aussi très ouvert, tu es ouvert, tu es... on peut facilement t'approcher et tu aides les gens. Maintenant, quelqu'un comme toi aussi, c'est que l'argent aussi te guette beaucoup. Tu seras très riche. L'argent que tu as maintenant, c'est même encore ça. Tu vas avoir l'argent. Tu vas avoir bien l'argent. Maintenant, est-ce que tu es encore au pays? Ah non, je suis en Italie. D'accord. Tu vas devoir quitter ce pays rapidement. Dès que tu finis tes papiers là-bas, parce que tout est stabilisé. Tu pars de là. Okay. Ton esprit, ton ouverture d'esprit, là, le pays là va beaucoup te bloquer dans le sens où tu es quelqu'un que tu vas avoir même 5 business en même temps. Ton argent vient de partout. Ton argent vient de partout. Et c'est aussi comme ça que tu donnes. Il y a quelqu'un, Destin Kai, on ne parle pas de Jésus ici, là. Ne t'inquiète pas, tu peux partir de mon direct. Je ne vais pas te bloquer, mais je vais te laisser. Voilà. Bon, Bangwa Boy, il y a le au village, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu dois... La dernière fois que tu as nourri les gens au village, c'est quand? C'est un truc que tu dois faire constamment. Est-ce qu'elle connaît même encore, ça fait au moins 9 ans que je suis sorti du pays, est-ce qu'elle connaît encore, je me rappelle même encore. Tu ne dois pas blaguer avec ça. Tu ne dois pas blaguer avec ça, parce que l'affaire de tradition, tu ne dois pas seulement aimer, mais tu dois faire. Tu dois faire. Et toi, particulièrement, tu es quelqu'un que c'est un peu comme tu seras une élite de ton village après. À cause des œuvres que tu vas faire. Donc, il faut que tu localises là quelqu'un au pays qui peut t'aider en allant là-bas. La personne part. Il donne à manger pour toi. Riz, un peu de riz, l'huile rouge et le sel. On partage aux gens. À ton nom. On commence ça là-bas. Oui. Le riz, c'est pour la prospérité et l'abondance. L'huile, c'est pour que tes affaires marchent, que tes choses glissent toujours. Le sel, c'est pour... L'huile rouge, non? Oui, oui, oui. Le sel, maintenant, c'est pour apporter le goût à ta vie. Avec les biscuits et les bonbons. Tu dois faire ça où je suis né, où je peux, ou bien... Parce que j'ai un peu grandi, j'ai grandi un peu de partout, hein. Non, non, dans le village de ta... tu dois faire du côté de papa d'abord. Ton papa est encore vivant. Je suis Bangwa 100%. Ton papa est encore vivant. Ouais, ouais. D'accord. C'est comme ça les racines de Chéféry chez vous. Mes parents sont encore vivants. Il y a des racines de Chéféry chez vous. Ouais, la racine de Chéféry, oui. Du côté de ma mère, du côté de mon père aussi. Voilà, c'est ça que j'entends. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de colliers, bracelets que tu n'as pas réclamés. Tu sais que quand on descend de la chefferie, il y a là, on ne peut pas seulement se balader comme ça, comme n'importe qui. Donc il y a les trucs, les colliers comme ça, là, les colliers d'op. Tu dois acheter ça avec un chapeau. Le chapeau d'op. Ouais, il y a une maman qui m'avait aussi parlé de ça. Et tu n'as pas fait, non? Tu vas te taper. Ah. Je dois le faire. Bon, j'avais peur parce qu'on me dit aussi que les chapeaux de blanc, que c'est pas aussi n'importe qui porte ça. Donc, on me dit qu'il faut être soit notable, soit successeur d'un notable. Donc, c'est tout ça qui me faisait avoir peur. Quand on te dit, je crois aussi que ça, c'est un truc que les gens ont beaucoup. Quand la royauté dans ton sang, il y a deux types de royauté. Il y a ce que ça vient à travers ta famille, il y a ce que les ancêtres eux-mêmes te donnent. C'est-à-dire, il n'y a personne, mais on te donne. Et comment savoir ça? Tu es étrangement attiré par la chose. Et parfois, tu as ça, tu veux m'acheter. Malgré la peur qu'on t'a dit, tu veux souvent prendre ça. Et parfois, il va envoyer carrément quelqu'un pour te dire. Maintenant, quand tu n'obéis pas, parce que les atouts royaux sur toi, ça, je sais pas comment on peut dire, ça change ton image dans le spirituel. Et ça attire sur toi. Donc, quand on voit déjà deux personnes te dire que tu dois acheter tes choses, ça veut dire que quand tu vas mettre ça sur toi, ça va, c'est un peu comme un couronnement. L'affaire là, ce n'est pas la blague. Il y a des objets que quand tu mets sur toi, ça te protège. C'est vrai que ça paraît bête. Voyez un peu ça. Une prostituée peut-être sort en route. Elle met un petit string. Elle ne met rien dessus. Elle marche. Quand quelqu'un va la voir, elle passe déjà un message sans ouvrir la bouche. Maintenant, tu vois quelqu'un d'autre qui marche avec une couronne sur sa tête. Avec un gros carrosse. Dans ta tête, tu vas dire, ah, ça, c'est un roi.
Donc, vous devez comprendre que quand on vous demande certains habits, c'est pour vous aider. Donc, je peux acheter n'importe quel style de chapeau, donc. Achète le chapeau normal. Contacte-moi en inbox parce qu'il y a des gens que je ne veux pas trop dire certaines choses. Il y a des trucs qu'on va mettre sur ça, on va coudre sur ça avant de t'envoyer. Ok, est-ce que vous-même vous vendez ça parce que oui, on vend ça. On vend ça, c'est un bon mot. Oui. Voilà, ok. Je vais bénir ça avant de t'envoyer. Ok, c'est que ça marche alors. Avec le bâton. Je vous laisserai un message ou à Instagram ou bien sur votre compte TikTok. TikTok, tu ne peux pas. Je ne sais pas comment faire pour recevoir les messages sur TikTok. Tu peux envoyer sur WhatsApp. Ouais, oui, tu peux prendre WhatsApp. Pas abonné, on ne peut pas s'envoyer. Mm-hmm. WhatsApp, tu peux faire WhatsApp. Comment faire donc pour avoir. Comment faire pour avoir votre WhatsApp? 00-237-693. J'ai pas un deuxième téléphone alors, c'est ça le problème. Bon. Je suis en train de parler sur un seul téléphone. Raccroche, non. Donc, vous n'avez pas Instagram? J'ai Instagram, le nom sur Instagram c'est The Guide Digger Academy, un truc comme ça. Donc, mon forfait est épuisé là. Je veux que je me connecte à toi. C'est bon. Interrompu. C'est bon. Merci beaucoup. Bon, TikTok, est-ce que vous me suivez? Facebook, est-ce que vous me suivez? Je me vois, mais je ne suis pas sûr que ça passe. Si, c'est celui qui écrit. Mets un peu sur ton téléphone, là-bas pour voir. On va voir si ça passe. Ok, là c'est bon alors. Bon, Facebook. Je ne sais pas si on peut faire les duets sur Facebook. Je vais essayer de vous prendre un peu en Facebook.
Si quelqu'un veut que je le prenne sur Facebook, il y a des gens qui demandaient. Quand ils demandent, ils ont des. En haut là-bas. Des partages. Non. Il y a des trucs comme des partages qui viennent. Comment est-ce que la fesse alors c'est facile? Donc quand tu cliques sur le dessus, tu le prends. Ça vient comme une barre comme ça. Il y a une barre. Il y a son nom, il y a le truc en bas. C'est ça quand il demande. Bon. Il veut que vous l'ajoutez. Oui. Ah, je ne vois pas pour Facebook. TikTok, je ne vois pas vos commentaires. Bon, je vais commencer à continuer les lectures alors pour Facebook. Parce que je pense que TikTok a bugué totalement. Bon. Morel. Tom, là, tu es persistante. Hein. Burkina Faso, le numéro, c'est le 00237-680. Ninon Kamal, ça va? 680-71-0701. Morel, tu veux savoir quoi? Viviane, si c'est toi sur la photo. Tu es très stable financièrement et émotionnellement, surtout émotionnellement. Tu es sur le point d'être stabilisé, on va dire comme ça. Dans ton énergie, il te faut restaurer ton attirance. Ouais, la femme avait quelqu'un blocage, non, jusqu'à son truc, elle a bloqué TikTok carrément. Bon, je vais faire un autre direct en soirée alors, parce que là, je vous ai parlé des promotions, de tout ce qui se passe. Donc, celui qui veut, il sait déjà ce qu'il doit faire pour son enfant. Il parle des offrandes aussi qu'on va faire à l'eau. Pour la dernière fois, ça coûtera 50 000. Le mois prochain, ça passe à 100 000 francs. Jusqu'à, je ne blague même pas. Ça prend trop d'énergie. Il n'y a pas de boulot aux États-Unis. Ça sert à quoi une offrande à l'eau? L'offrande à l'eau, c'est pour le déblocage. L'offrande à l'eau... parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes de l'eau, d'abord, premièrement. Et tant que tu ne te connectes pas à ton élément, tu ne peux pas avoir, la réponse à tes prières. Tu auras l'impression que ça donne un pas, après ça ne marche pas. Maintenant, ton offrande à l'eau peut être... Quelqu'un qui n'est pas de l'eau, quelqu'un qui est de l'eau pour aller faire une offrande, pour aller parler pour toi, à l'eau, et demande maintenant des choses pour toi. C'est un peu comme quelqu'un... Son père, il dit que bon, papa, aide-moi mon ami à faire ça. Donc, tu peux demander n'importe quoi. Tu peux vouloir l'enfant, le mariage, nanana, je ne sais pas. Toutes ces choses, on les met là-dedans. Ok? Donc, c'est un peu ça le but de l'offrande à l'eau. Tu peux faire toi-même. Bon. Comment connaître son élément? Ça, c'est encore un autre sujet là-bas. Stéphane. Stéphane, tu pourras m'envoyer un message inbox. Je vais te suivre, Stéphane. Parce qu'on n'arrive pas à parler. Ton offrande à l'autre, tu peux faire toi-même, ça marche.
La dame avec qui j'ai commencé, c'est parce que je parlais avec quelqu'un. La personne devait être vraiment bloquée parce qu'on n'a pas pu parler. Momo, tu as les blocages. Si elle vient sur ton énergie, après, elle part, non? Bon, maintenant, ne blaguez pas avec votre travail spirituel. Oui. Pardon. Qui me contacte pas, c'est parle fort. Qui ne contacte pas ce détracteur? Parce que les personnes qui cherchent des clients, pas mal les clients, ils mettent le numéro. C'est déjà ce que je dis. Oui. Bon, maintenant, après aussi, c'est celui qui veut. Il me dit de vous dire que ne partez pas vous mettre vos numéros dans n'importe quel forum. Cette affaire, si c'est tellement délicat, parce que c'est pas n'importe qui doit faire ton travail spirituel. Et parfois, par désespoir, vous passez le temps seulement à. Oh, comme tu peux m'aider à 5 000. Alors, comme la femme a demandé 5 ans, mais je n'ai pas. Faites très attention. Donc, Vivian, le numéro est épinglé. Parle très fort comme ils peuvent t'entendre. Je dis ceux qui cherchent les numéros, ceux qui viennent pour poster les numéros en commentaire. Je suis maître ceci, je suis maître ceci, je fais tel travail spirituel. Généralement, quelqu'un qui fait un travail spirituel et qui est vrai ne cherche pas les clients. Ce n'est pas la clientèle qu'on cherche. Mais c'est Dieu qui ramène les malades et ses enfants vers. Vers le ministère qu'il a dit que bon, tu dois te diriger là-bas parce que c'est là-bas que se trouve ta part de bénédiction. D'accord. Donc, ceux-là qui ont mis les numéros, parce que je suis en train de supprimer tout le temps ces gens-là qui font poster. Bon, c'est vrai que sur Facebook, on a des marabouts qui écrivent tout le temps et donnent leur numéro en commentaire. On ne fait pas ça. Les numéros, je les donne ici, donc vous entendez ça de ma bouche. Bon, il faut que je me reconnecte pour continuer les lectures d'énergie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ce matin. Enlève tout mauvais œil, toute personne maléfique qui veut interférer ici. Je viens crever vos boules de cristal au nom de Jésus-Christ. Vous-même, vous ne pouvez pas partir faire votre offrande. Alors, j'ai dit ça tout à l'heure, que chacun, tu peux aller faire toi-même ou quelqu'un peut faire pour toi. Et vous devez sortir de la mentalité de je n'ai pas. Beaucoup d'entre vous devez faire le salaka. Patrick Ngong. Les numéros sont épinglés. Oui, les numéros sont épinglés. C'est sur Facebook. Bon, Patrick Ngong. Si c'est toi qui es sur la photo. Big Baby, c'est toi qui voulais prendre tout à l'heure, non? Tu as déjà des blocages comme ça, jusqu'à quand? Chaque fois que je commence à parler de toi, ça bloque toujours. Bon, Patrick Ngong. Je le vois bien dans le vestimentaire. Tu t'habilles beaucoup, tu t'habilles bien. Tu es quelqu'un que tu aimes plus les activités en même temps. Tu as aussi le goût pour les belles voitures, les grosses voitures surtout. Tu as aussi un moment, tu as un peu eu honte de ta spiritualité. Pas honte, mais à un moment, tu simplifiais les choses spirituelles. C'est maintenant que tu as compris que c'est ça qui va t'aider à avancer et arriver là où tu veux arriver. Bon, il faut que tu apprennes à faire, à donner. Tu ne donnes pas beaucoup. Et c'est peut-être ça qui te bloque. Tu ne donnes pas beaucoup. Mato. Tu es quelqu'un qu'on t'a beaucoup frustré quand tu grandissais. Big Baby, la fille là. On t'a beaucoup frustré quand tu grandissais. Et je te vois carrément, j'entends le mot Hollywood, je sais pas. Si tu avais pensé être actrice ou quelque chose comme ça. Ou bien une page de TikTok où tu fais des choses que tu montres aux gens. Ils me disent qu'il y a des idées qui t'ont donné, mais tu as eu peur d'agir dessus. Et on va te voir. Donc, j'ai un kit que j'appelle le kit.
célébrités, pour ceux qui ont l'intention de se faire connaître sur les réseaux sociaux. Ou bien si l'esprit vous a déjà dit depuis longtemps que lance ta page, lance ta page. Tu as lancé et tu es caché maintenant. Parfois tu lances même après tu ne le postes plus jamais. Tu ne publies plus jamais parce que tu as peur. Donc ça c'est aussi une des choses. Pardon? Quand j'écris, je suis. Donc tu as changé de compte. Tu t'es connecté maintenant. Tu es sur la page business. Voilà, c'est pour ça. Betty. Merci pour la rose, Stéphane. Je ne sais pas comment faire pour se parler. Ce que tu fais, tu parlais dans la vidéo, si je pouvais mieux te guider. Bon. Merci pour les cœurs. Petit moment. Petit moment. Tu as lancé ton business depuis combien de temps? Petit moment. Apparemment, tu dois beaucoup publier. Tu dois beaucoup parler de ce que tu fais aux gens. Tu as peur. Ils me disent que les idées qu'ils t'ont donné, le concept qu'ils t'ont donné, là, ça va marcher. N'aie pas peur. Batomen Yaba Epiphanie. On voit beaucoup de pauvreté autour de toi. Tu as grandi dans la pauvreté, mais tu rêves grand. Il faut que tu te lèves. N'aie pas peur. Salah Julia depuis le Luxembourg. Waouh. Très, très bonne aura. Tu prends beaucoup soin de toi. Spirituellement, tu es déjà pur. Maintenant, ouvre tes chakras. Je te vois te laver avec des sels de plusieurs couleurs. Fais beaucoup de bains. Avec des roses souvent dans l'eau. Ça va augmenter ton attirance. Tu as l'impression que tu as une énergie très attirante. Pas seulement sexuellement, mais... Alette Bill. C'est tout ton nom là-bas. Donc Valérie connaît. On te simplifie beaucoup chez toi. Alors que tu as quand j'étais même petit, tu voulais déjà conduire la voiture à 5 ans. Valérie Ocone. Le plus vite tu vas quitter au retour de ta famille, le mieux ça va valoir. Florette Chamini. On a mis un voile sur toi de telle façon que même si quelqu'un veut te donner l'argent, il ne va même pas te donner. On te simplifie. Kamga Grâce. Tu dois arrêter de te cacher, Kamga. Les gens dont tu as peur qui vont te faire du mal, là. Tu es déjà devenu plus forte qu'eux. Il te faut prendre l'huile de blindage chez moi, tu vois. Parle beaucoup, c'est comme si tes idées sont un peu bloquées. Les gens ont vu tes enfants. Ça ne va jamais se concrétiser. Et c'est là mon Joël, là. Donc Facebook, donnez les noms plutôt. C'est la Majuela. Ou un prénom, ça va. Ouais. Si vous pouvez avoir les décepticons sur ma page qui viennent pour vous voir. Merci. Carla. Beaucoup de lumière. Tu es comme une lumière, Carla. Et Mervi, merci pour les fleurs. Mougu Sidoni. Mogu Sidoni. C'est comme s'il y avait des gens qui te guidaient avant. Et puis ces gens ne sont plus là. Tu crois que tu ne peux rien faire seul. Kenfa Kennedy. Ce n'est pas parce que tu es nouveau dans le pays là que tu ne peux rien faire. Tu vois un peu comme tu es nouveau quelque part et on te fait croire que tu ne peux pas. Oh, merci pour les cœurs. Merci Laila pour les fleurs. Laila, tu as un si bon cœur. Ouf, Zulaika. Maman, la beauté de ça.
te faut prendre un kit célébrité, Zulaika. Tu as. Je te vois comme quelqu'un qui est comme une lionne. Tu es en train de ronronner. Tu attends ton moment. Il me disait que ce moment, c'est toi qui vas le provoquer. C'est toi qui vas le provoquer. Non, merci pour les roses. Jospin des blagues. Est-ce que c'est toi sur l'image? Kevin Douagalé. Douagalé. Kevin, Queen, merci pour les fleurs. Kevin. J'arrive pas. Est-ce que tu laves au sel, Kevin? Ton énergie est très floue. Tu es beau peut-être, mais ton énergie est très floue. Tu es un peu le genre de personne que tu vas faire tes choses, ça va pas avancer. Peut-être que quand vient sur ta page, je vois, mais tu es beau, tu es ceci. Attends. Petit moment. Tu vas relancer ton business, comme je t'ai dit. Petit moment. Bon. J'ai tellement de choses en même temps. Ça passe pas toujours? Et là, c'est comment? Et ça, avec l'autre téléphone. Peut-être c'est ton téléphone. Hein. Bon, les numéros. Matam Gami EV. États-Unis. Tu as voulu partir aux États-Unis. Ah, je like, je te vois. Tu es sur le live. Je vais répondre à ton message inbox tout à l'heure. Une journée spirituelle. Christelle Sandrine. Ah, ah bon. Les fleurs. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Toi, tu es un peu bloqué, toi. Celui qui s'est levé là, toi, tu es bloqué. Toi, celui qui est resté assis avec beaucoup de cheveux là. Tu comprends, hein? Je vois un voile sur ton visage. Ça fait que tu travailles beaucoup. Après, souvent, on ment même sur ton nom. Tu comprends, non? Faut te laver avec du sel. Vous voyez? Vous voyez? Ok. Amy. Tu comprends, non? Bon, celui qui est à côté de toi, ta mère est où? Oui, je vous... Le jaune. Le jaune, là. Ta mère est où? Hein? Ta mère est où? Au village. Au village. Il faut lui dire qu'elle lance la poule pour toi. Et chaque mois, tu dois lui envoyer l'argent. Occupe-toi d'elle. Même si c'est un peu d'argent. Quand tu envoies, elle va bénir. Ce qu'elle va dire sur ton argent, ça va t'aider. Tu as suivi? Ok. Elle lance. Lance la poule. Elle lance la poule là. Oui. Elle va, celui qui est en jaune là, déjà ta mère va connaître. Tu as suivi? Elle va mettre le jeu la poule au sol. Elle va lancer, je sais pas comment tu dis. Tu es de quel village? Tu es de quel village? Du nord. Ah. Faire quelle tradition pour le nom, c'est quelle tradition pour lancer la poule? Non, je sais pas ce qu'on fait chez vous pour remplacer, mais je vois comme s'il faut que tu lui envoies l'argent, ça va beaucoup l'aider. Tu comprends? C'est comme si on comprend pas bien le français, je sais pas. Bon, bon, les gars, c'est là, bye bye. Je parle, vous ne comprenez pas? Non, on comprend. Maintenant, celui qui est en haut là, tu es parti pourquoi? Tu es là-bas parti pourquoi? C'est juste que le réseau. Dis-moi. Oui.
connais pas bien le français. Ah. Ton père est où? Tu as beaucoup de flèches dans ton. C'est comme si tu les. Quand tu es né, on a vu ton étoile. On t'a beaucoup attaqué. Est-ce que tu étais beaucoup malade quand tu étais petit? Oui. Tu as beaucoup échappé. Lave-toi avec le sel. Quand je vous dis que j'ai beaucoup de choses sur mon TikTok que j'ai mis que vous devez faire. Toi, tu dois acheter les biscuits. Celui qui est en haut là. Achète les biscuits avec les bonbons. Tu partages aux enfants du quartier aujourd'hui. Tu as compris? Et tu dis que comme tu partages aux enfants, là, que ça ouvre ta vie. Oui. D'accord. On fait comment pour vous rendre? Je suis à Douala. À Makepe. Quel quartier? Makepe. Oui, Makepe. Mm-hmm. Derrière le lycée. Prenez le numéro 693. Attendez. 693. 50. 22. 66. 66. Ok. Je vais vous appeler. Pas de problème. Tout à l'heure. C'est mon secrétaire qui va répondre si tu appelles en direct. Ok. Tu viens, il va te donner quelques produits. Mm-hmm, merci. Bye bye. Bye. On fait même comment pour couper ça. Coupez votre vidéo alors. Je ne comprends pas comment on fait pour couper. Ok. Bon. Allô? Bonjour Tima. Oui, bonjour. Mm-hmm. Hey, ça c'est une chance. Oui, dis-moi. Ah. Je suis là, là. Ah, c'est toi là-bas. D'accord. C'est moi. Tu dois de moment avoir une couronne. Est-ce que tu as une chaise au village qu'on t'a pas. Tu as une place. Tu es le successeur de quelqu'un qu'on t'a pas donné. Tu es de quel pays d'abord? Parce que si tu es pas camerounaise, tu vas pas bien comprendre ce qu'elle veut dire. Non, je suis pas camerounaise, je suis malien. Chez nous, parfois, quand ton grand-père, ta grand-mère, un ancêtre peut dire que okay, c'est telle personne qui va me remplacer. Je vois un peu une couronne sur ta tête, comme si on devait te donner la place de quelqu'un. Est-ce que tu es l'homonyme de quelqu'un dans ta famille? Homonyme. Tu as le nom de quelqu'un? Hein? Oui, oui, ma grand-mère, oui, oui. Oui, j'ai le nom de ma grand-mère. D'accord, c'est sûrement elle. Elle est déjà décédée? Oui, oui. D'accord, tu vas envoyer ta mère encore là? Oui, elle est encore vivante, oui. D'accord, tu vas envoyer ta mère qui va partir. Elle va partir dans la ville, dans le village où on a enterré ta grand-mère. Elle va donner... Ma grand-mère... Grand-mère, la mère de ta mère. Ma mère. Mon nom, c'est donné la mère de mon père. C'est la mère de ton père plutôt, hein. D'accord. Donc... J'ai pas de nom. Voilà. Est-ce que ta mère et ton père sont quoi ensemble? Non, mon père est décédé. D'accord. Tu avais quel âge quand il est mort? J'avais 12 ans. Oula. D'accord. Il y a les attaques sur toi très tôt, exposition. Tu as été exposé très tôt aussi. Ce qui fait que c'est un peu comme si on t'a déposé dans un désert. Pourquoi tu souffres beaucoup? Parce que quand ton père... Ouais, Facebook, bonjour. Facebook, vous payez que vous êtes aussi là. Quand tes parents meurent vite, ça t'expose.
Généralement, ce sont les attaques sur la destinée. Ce qui fait que quand ils voient ton travail à faire, il y a d'abord les fondations. Il faut d'abord qu'on voie. Il faut enlever d'abord ce qui a tué ton père. Pour que ça ne t'attaque pas toi-même. Il faut que tu prennes la couronne de la personne qui devait te donner là. Et les couronnes, ce n'est pas. Parfois, au village, on ne te donne pas. Mais même dans la vie comme ça, là, tu peux rencontrer quelqu'un un jour comme ça. Il te dit que voilà, tu as une. Que prends peut-être telle chose. C'est ta grand-mère, qui m'a dit de te donner ça. Est-ce que tu te laves avec du sel? Je me suis lavé avec les sels, oui. D'accord. Je vois chez toi, en fait, il y a aussi un esprit qui t'a... Tu es un peu embrouillé, genre à l'école. Est-ce que tu es allé loin à l'école? Je ne pense pas. Parce que quand on fait comme ça, quand on coupe une... Tu as arrêté l'école à quel moment? Je vais aller à l'école. Ah, tu es pas allé à l'école? Non, je ne suis pas... J'ai fait arabe, je me suis arrêté vite. Voilà, c'est ça en fait que je voyais. Quand ils attaquent comme ça, c'est pour attaquer, c'est pour faire que l'enfant n'arrive pas loin. Donc très tôt. Très tôt. Tu es dans quel pays? Actuellement, je suis au Abidjan. D'accord. Tu vas... Tu dois aller d'abord demander la faveur d'Abidjan où tu te trouves. Et tu dois envoyer maman pour qu'elle parte. Contacte-moi sur WhatsApp. Parce qu'il y a des instructions que je n'aime pas trop donner en direct comme ça. Je n'ai envoyé des invitations sur WhatsApp et sur TikTok. Tu ne m'as pas donné de retour. J'ai trop de TikTok que je ne vois pas, mamie. Trop. J'ai mis il y a le message là-bas. J'ai mis le message sur mon TikTok. Vous allez voir le lien pour mon WhatsApp. Prends le numéro, tu écris. Si tu ne fais pas comme ça, ça ne peut pas aller. D'accord. Oui. Maintenant, tu as aussi un esprit de découragement qui va faire que tu vas... C'est un peu comme si c'est une dépression qui vient souvent sur toi. Donc, il faut que tu fasses très attention parce que quand ça te décourage comme ça, là, c'est pour que tu oublies ce que tu dois faire qui va t'aider. Tu sais, mon situation est compliquée. Oui. Beaucoup compliquée. En ce moment, tout ce que j'ai, tout ça fond, ça. Il n'y a rien qui marche maintenant chez moi. Il n'y a rien qui marche. Mm-hmm. Tout ce que je touche, ça gâte. Actuellement, même, je suis à Maroc. Je suis venue faire des achats à Maroc ou pas en France. Je me trouvais dans une situation terrible. Bon, l'argent, ça se gâte. Ma santé, c'est comme si on m'achetait un son. Ma santé aussi, ça ne va pas du tout. Tu vois, non? Mm-hmm. Voilà. Ça va te suivre partout, tu vas partir. Moi, je ne sais pas. J'ai tellement couru. Je ne sais pas. Même chez vous, à Cameroun, là-bas, j'ai des amis à Paris qui ont travaillé ensemble. Et qui m'a montré certaines personnes, j'ai envoyé l'argent, mm-hmm. m'envoie des médicaments, bah, ça a changé en fait. Ok. Voilà. Si quelqu'un a fait un travail spirituel, c'est que le truc c'est que je ne bagarre pas moi avec quelqu'un. Je fais ce que je fais, je connais ce que je fais, et quand je donne même les conseils, je veux toujours qu'en faisant ton travail, même si quelqu'un travaille pour toi, que toi-même chez toi, il y a les choses que tu fais aussi. Tu ne dors pas seulement, tu dis que okay, elle va tout faire. Ce n'est pas bon. Si à minuit tu es attaqué, tu ne connais pas ce que tu vas faire, tu ne peux pas m'appeler à minuit. Moi, il ne peut pas me décrocher. Donc, tu dois aussi apprendre les petites choses que tu as comment savoir que si ça ne va pas, il me lève et fait comme ça, il me lève et fait comme ça. Et c'est cette lourdeur-là que je vois sur toi, en fait. Pardon? Oui, ça peut aussi aider les enfants, tes enfants. Donc, contacte-moi en inbox. Je te donne le numéro. Voilà le numéro sur ma page. Si tu passes sur TikTok, tu cliques sur le lien qui est là-bas. Tu vas voir mon WhatsApp. Tu viens en inbox, tu m'écris. Je vais te faire le voice. Je vais te dire tout ce que tu vas faire. Il n'y a pas de mal à l'argent pour ça. Voilà. Il n'y a pas de souci. Pas de problème. Bye bye alors. Il n'y a pas de souci. Merci. De rien. Bonjour Nathalie, merci. Laura, on te simplifie beaucoup, hein, Laura, tu es petite. Alors que tu as la vision. Tu as beaucoup de choses que Dieu t'a montré que tu vas faire. Et on te donne beaucoup de mauvaises paroles pour te frustrer, Laura.
DJ Franck. Posez plutôt les questions. Est-ce que telle chose va marcher? Laïla, merci pour les roses que tu envoies. Chérie Lily, tu es où sur la photo? Ceux qui envoient les roses, je vous fais passer en priorité. Chérie Lily, je te prends. Angèle. Pour l'instant, tu t'es trop focalisé sur ton apparence physique, Angèle. Bonjour. Bonjour, bonjour. Angèle, tu dois avoir confiance en toi. Confiance en toi. Je dois un peu acheter les choses et revenir revendre. Donc, si tu as commencé à faire ça, il faut accentuer. Bonjour, chérie. Bonjour. Je t'écoute. Comment allez-vous? Très bien, ma chérie. Merci. Et toi? Je suis là. C'était juste pour vous dire bonjour et voir ce que vous voyez sur moi. Tu as quel âge, tu vis où? Je vis à Bruxelles et j'ai 33 ans. Relation amoureuse, c'est comme c'est pas très stable. C'est vraiment pas stable. Dis bonjour à ton bébé. Bonjour, ça va? Ça va. Ok, tu as beaucoup. Le Seigneur me dit de te dire que les enfants que tu as là, ils sont comme des anges. Ce sera eux qui sont, ils seront ta motivation pour que tu te lèves. Parfois, quand tu as l'idée de faire quelque chose, on te bloque en disant que ici, les gens ne font pas ça. Moi, on peut dire. Une femme noire ne peut pas faire ça. Voilà un peu. C'est comme si tu as beaucoup de phrases de découragement dans ton esprit. Maintenant, est-ce que tu as commencé un business en ligne ou tu as commencé quelque chose que tu voulais vendre? Non, moi j'ai fait des bijoux artisanaux. Ah. Artisanaux. Tu mets sur ta page? Non, je les vends de main en main. Pas encore, je n'ai pas commencé. Comment ça? Tu as le courage. Tu dois. J'ai un kit que j'appelle le kit célébrité. Et le kit commerce, voilà les deux choses que tu dois prendre. Ça va t'aider beaucoup. Tu dois absolument mettre ça sur ta page. Ou tu crées une page pour ça spécialement. Les personnes qui t'ont reçu là-bas ont beaucoup douté de toi. Donc si tu fais ça, ne t'associe pas à ces personnes. Ne leur montre même pas que tu fais ça. Genre que tu vas attaquer les réseaux. Parce que je ne vois pas seulement ça. À un moment, ça va, il y a d'autres idées qui vont venir. Peut-être même tu vas ajouter à ça les vêtements ou bien... Donc, du coup, on va vouloir te décourager que tu n'as pas le financement. Je crois que c'est l'affaire d'argent qui te dérange beaucoup. Donc, il y a les deux choses là. Ça, c'est vrai. Mais bon, ça passe quand même. Le Seigneur me dit de te dire la parabole de la femme, la veuve qui avait... Elle avait les enfants. Elle, et son mari était prophète. Il était mort. Et il y avait des créanciers qui sont venus pour lui demander de rembourser. Si elle ne rembourse pas, on va... on va prendre tes enfants et les vendre. Donc elle allait voir le prophète, elle a demandé. Donc je utilise tes enfants, mets-les à côté de toi comme ton appui spirituel d'abord, parce qu'ils ont une très forte... leur esprit est très gai. Ils vont beaucoup t'aider dans ce sens-là, ils vont beaucoup t'encourager. Et travaille beaucoup avec eux. Il me dit, ils ont demandé des boîtes et ils se sont enfermés dans la chambre. Ils ont versé l'huile dans les boîtes. Tu vas partir dans une période où tu seras un peu comme si tu es en isolation. Et tu vas beaucoup travailler, tu vas te concentrer. Tu vas apprendre à faire des vidéos aussi, des petites vidéos. Ah, c'est ce que tu vis déjà, hein? Oui. D'accord. Tu es en pleine transformation. Oui, mes enfants, c'est ma force, en fait. Donc pourquoi je suis trop protectrice avec eux? D'accord. Ça, ce n'est pas seulement physique, hein? Vraiment, c'est quand je vois dans le monde de l'esprit, c'est très c'est aussi spirituel en fait, parce que à la base je suis quelqu'un qui croit aussi et je suis sur mon chemin d'éveil, comme je peux dire. Mais pour le moment j'ai encore beaucoup de blocages, donc il y a des choses que je vois, il y a des choses que j'entends, mais des fois je n'arrive pas à déterminer en fait.
C'est comme ce matin, j'ai reçu un message qui me disait, il y a une dame qui a un message pour vous. Et quand j'ai mis mon TikTok, ben, je suis tombée sur vous. Ils me disent de te dire que la pratique va t'aider. Je ne demande pas à monter sur le live, mais... La pratique va t'aider. La pratique et la confiance, tu dois croire en ce que tu reçois. Tu vas recevoir beaucoup d'idées. Tu vas avoir beaucoup d'idées. Beaucoup. Purifie ta maison. Mets de l'eau dans du sel dans l'eau, pardon, pour laver le sol. Tu mets aussi de l'eau salée dans le vaporisateur. Tu vaporises les murs. Donc, tu vas lire le psaume 35 d'abord sur cette eau. Tu mets dans le vaporisateur là pour laver les vitres. Tu vaporises sur les murs de ta maison. Ok, merci. De rien, ma chérie. Bonne journée. Oh, Mayelio. Je veux qu'elle fasse comment? Je vais voir qui je peux prendre. Merci pour les petits cadeaux. Priscille, j'ai bien envie de te prendre. Salut. Bonjour. Cet après-midi. Comment ça va? Je vous suis depuis un moment, vraiment. Je vais bien, vous. Très bien, merci. Première chose d'abord sur le visage, voile. Tu es quelqu'un de très gai, très joyeuse. Ta joie est comme une énergie. Tu ne savais peut-être pas avant. Ta joie, c'est une énergie, c'est une force. Maintenant, tu dois te battre pour que cette force reste toujours au top. Il y a le kit attirance qu'on a qui est d'enlever le voile. Donc, il y a le voile que tu as. Tu as une sorte de voile qui fait que. Les gens te voient après demain, mais comment tu es aussi belle ou bien aussi. Ton énergie, on croit que tu as beaucoup d'argent, mais dans la pratique, ce n'est pas là où les gens croient. Tu dis? Oui. Ouais, ça bug. Attends. Enlève tout mauvais œil qui veut checker cette conversation, tout bout de cristal maléfique, toute mauvaise intention, toute mauvaise personne qui regarde et qui est en train d'envoyer de la mauvaise énergie. Nous contrecarrons cela. Nous débloquons toute personne qui a besoin d'aide. J'enlève tout mauvais esprit. Bonjour, Oferta. Ok. Je disais que tu as ta joie. Tu es quelqu'un que tu es très gai. C'est ça qui va faire ta force. Tu ne sais pas encore pour l'instant. La Bible dit, The joy of the Lord is my strength. La joie de l'Éternel est ma force. C'est ça, en fait. Tu ne sais pas que tu as une force en toi. Et tu as aussi eu peur avant en te disant que si, même si j'ai la joie et quelqu'un vient m'attaquer, ça va marcher. Le Seigneur veut que tu saches que cette joie, c'est carrément une protection qu'il y a autour de toi. Ce n'est pas de la blague. Et tu dois avoir confiance en ça. Maintenant, tu dois aussi beaucoup parler à tes anges, à tes guides. Le matin comme ça, là, tu dois activer leur... Quand tu pries, demande la connexion constante au travers de la journée. Je parlais quelque chose par rapport. Voilà, quand on te voit, on croit que tu as beaucoup d'argent, ou bien on te dit, mais tu devrais déjà, alors que tu n'as pas, pas autant que les gens croient. Donc, il y a aussi ça. Le fait que ton énergie soit, je dirais même que c'est comme si quelqu'un a mis un truc pour carrément puiser ton énergie. Donc, il faut, quand c'est comme ça, il y a l'endroit où vous dormez, parce que généralement, c'est dans la nuit qu'il peut y avoir des échanges. Soit on vient prendre, soit on dépose quelque chose de mauvais. Purifiez vos chambres, très important. Donc, toi, tu vas mettre du sel dans l'eau, tu vas lire le psaume 35, tu vas laver le sol avec. Je crois que j'ai dit à l'eau la précédente de vaporiser la même eau avec du sel sur ces murs. Ceux qui sont qui commandent les produits, on a aussi des produits que vous pouvez mettre dans vos WC. Vous tirez l'eau. S'il y a n'importe quoi là-dedans, ça va sortir. Parce que les excréments sont tellement importants. Il y a des gens qui mettent parfois des mauvais trucs dans vos fosses.
Et de la même façon que tu es connecté à toi, si ton pipi peut sortir de ton corps, ça t'aide quand tu te laves avec. Ça veut dire que tes excréments peuvent sortir et après c'est utilisé pour te ralentir. Donc il y en a que vous devez aussi faire ça, verser certaines choses dans vos toilettes pour que ça puisse, que votre énergie ne soit pas prise. Cameroun, Africa, tu as envoyé la demande, je vais te prendre. Bon, c'est tout pour toi, ma chérie. Je vais aussi prendre d'autres personnes, comme ça on peut un peu équilibrer. Ok? Merci. Bon. Michel, Amazon Power. J'ai bien envie de te prendre Amazon. Bon, Facebook, c'est tellement plein. Angèle, j'ai commencé à te parler tout à l'heure. Je t'ai dit que tu ne dois pas avoir peur, qu'il y a quelque chose que tu dois lancer. Hein, Angèle? Tu dis ça, non? Onisha, très jolie. Je crois que très tôt, on a vu ton étoile, on a vu ta beauté, elle est amenée très loin. Tu as une beauté qui est pure. Il faut que tu... Il y a les prières de Back to Sender que tu dois faire. Je crois qu'on va carrément préparer un truc comme ça, là, un enseignement sur les Back to Sender. Ni non. Ninon, est-ce qu'on a déjà parlé? Je crois que j'ai hâte de prononcer ce nom. C'est comme si on avait eu affaire. J'ai hâte de faire un travail avec toi, je ne sais pas. Mariska. Oh, dépression parfois. Parfois, tu tombes, tu oublies même qui tu croyais que tu voulais être. Je sens carrément le fait que tu arrêtes peut-être l'école tôt ou bien on a embrouillé tes pensées. Je vois un peu comme sa folie. Fais très attention, tais-toi, tu viens d'écouter tout de tout cela, tais-toi beaucoup autour de toi, ne parle pas, même si c'est ta mère ou bien quoi que ce soit. Ange, si tu ne connais pas ce que tu dois lancer, tu laisses maman. Tu as compris, dis-moi seulement ce qu'on m'a dit. Comme je dis que tu ne sais pas ce que tu dois lancer là, vraiment. Il y a la petite fille là que je disais pour elle. Il faut chercher lui de blindage, tu moins beaucoup ta tête avec. Ceux qui ont beaucoup de problèmes de maux de tête, migraine, si peut-être tu es en train d'étudier, tu vas à l'école actuellement, il faut, l'huile de blindage va beaucoup aider. Beaucoup. Parce que c'est là-bas qu'on t'attaque, qu'on te décourage, tu laisses l'école. Bon, je regarde maintenant. Il y a une personne que j'avais bien envie de prendre là. Voilà. Merci. Quand tu t'associes rapidement avec les mauvaises personnes, ça prend ton énergie. Donc sois jalouse de ton énergie, garde vraiment très précieusement cette énergie. Même tes projets, c'est pas n'importe qui avec lesquels tu dois partager. D'accord. Ok. D'accord. Et en fait, là, enfin, quand je vais sortir de ce, est-ce que vous voyez à Kevin? Je ne vais pas dire à quel moment, mais est-ce que d'ici la fin de l'année, ma situation financière va s'améliorer ou il faut que j'attende encore un bon moment? Moi, personnellement, c'est un peu comme un gâteau. Si tu mets les ingrédients sur la table, tant que tu ne te lèves pas pour mettre ensemble et mixer, tu n'auras pas de gâteau à la fin de la journée.
Donc, je pense que c'est important que D'accord. tu parce que tu es quelqu'un que tu as beaucoup d'idées. Quand je vois, tu es quelqu'un que tu t'assois et tu es dans la bonne énergie, ça fuse vraiment, ça sort de partout. Donc, il est important que C'est vrai. tu dois. C'est comme s'il y a une partie de l'énergie que tu devais apprendre. Ils sont en train de t'apprendre quelque chose en fait. Et aussi tes guides, c'est comme si tu dois te connecter aussi avec eux. Tu n'es pas seul. Tu as une mission qui va toucher aussi plus de personnes. Ce n'est D'accord. pas seulement pour te faire de l'argent. C'est comme si à un moment, tu avais monté ta mission, mais tu as commencé, mais après, tu as été distraite parce qu'il fallait absolument peut-être que tu subviennes peut-être à tes besoins ou que tu fasses plaisir à certaines personnes, quelque chose comme ça. Ok. Bon, ma chérie, je vais prendre une autre personne. J'ai mon numéro là-bas. S'il Oui, parce qu'il faut. y a, y a ça aussi qui me... Ok, il est où? Il est où le numéro? Prends, tu as le code noté, c'est le 00237. Je peux avoir le numéro? Ouais. 693 00237 50 693 22 Oui. 66. Oui. 66. C'est ça. Ok, c'est noté. Merci. À très bientôt. Merci Merci. beaucoup. D'accord. Que les bénédictions soient. Il faut que je prenne à main le maximum de personnes. Waouh, princesse Zaza. Ouf, tu as une énergie de feu. Baby Nella, Big Baby, je voulais te prendre tout à l'heure. Ok, on prend qui entre les deux? Big Baby Nella ou bien. Godi. On prend qui? Goody, Clara Tedo, tu veux quoi? Allô? Bonjour Godi. Bonjour. Merci Stéphane. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour le miroir Stéphane. Ceux qui Coucou font les cadeaux Clara, là, tu vas dites-moi, je vais bien? vous prendre un truc. Oui, je vous écoute, madame. Je vous écoute. Vous dites? Non. Ah, yes, pour parler. Je vois que je veux que vous parlez un peu de ce qui se passe dans ma vie, en fait. On t'a beaucoup frustré dans l'enfance. Et les frustrations là venaient parfois de tes encadreurs. Je sais pas si je vois un homme qui Je t'a donne la beaucoup. vidéo. Et cette frustration a fait que. Attends. Ça a fait que. C'est vrai que c'est pas. Les consultations, parfois, si elles voient des choses pour dire ça va faire bizarre. Tu as peut-être eu. Peut-être des attouchements, peut-être. Tu as été dit à des trucs qu'on t'a fait dans l'enfance qui t'ont beaucoup frustré. Et ça t'a fait. Je te vois un peu comme quelqu'un que tu t'es bloqué sur certaines choses. Et tu es arrivé à un moment de ta vie où tu veux bien t'ouvrir, t'épanouir. Mais il y a des gens